Mipesi yoye na mabile. Ezangolu. Pesa ye boka sibwasika. Lelo na sima ya nzanga. Akokoka bongo koloba. Bongo. Atako. Loba yango likuya te panabiso directement. Mekala mingi te toko zo yango. Nkembo lukumpe masanzuli. Mutu mususu azwa kati. Yomei. Yanula moko na bosenga buwaye. Mpe lelue zala mokolo. Oyosali. Ponabiso. Nkembo ya yomei. Bueto sengi. Na nkombo ya kuna biso Yesu Kristo. Bana na yo bauti bipai na bipai. Basali na yo ndenge moko. Lelo tuye libosyo irungi na yo nzambe ya banzambe. Nkulu ya bankulu. Mukunzi ya bakonzi. Murakisi ya malamu. Uyu wakurakisa biso banso. Pwete tokomba na kundima moko. Matondo, pambula bango, pambula lingomba mubimba, pambula basantu na mulongo, tozali kulambela yo. Bilembo bia purele, biko talisa te bozongi bobelemi. Kalamingi te, pesanteur ya mabele ekokokate, kuretenir biso. Me, toko yoka mungongo butawa. Na mipepe. Toko kende kuzona na yo awa mapata makome mabiso. Matondo. Po yole kibansu. Po yoko kisaka yango yolo baka. Wamu tute pokosa. Na kumbo yanko na biso Yesu Kristo. Ndeto bondeli bongo. Amen. Amen. Toko yoko vato. Bon rasoir. Jambe ya pambula biso banso na kombo ya nkolo Yesu Kristo. Nistou, son nom du Seigneur Jésus Christ. Awa toana malilite. Si nous ne sommes pas dans le froid. Malilite zaka na kongote. Le froid ne se trouve moi pas. Moi mouke, Lubumbashi na kolwezi, togoma. Un type tu peux à Lubumbashi, à kolwezi, à goma. Kinshasa malilite, malilite ya wako. Oh Akin, est-ce qu'il y a le froid Akin? Tona bato bandeko na biso yo bauti sika malili zalaka bako yebisa yo. Demandez à nos bien-aimés qui viennent de là où il fait froid, ils vont vous le dire. Alors nakati limo soki to sangani liboso na nkolo. Nous sommes rassemblés devant le Seigneur. Moto moto nde sengami. Faut de la chaleur. Ko jalaka malili malili ti. Faut pas être frileux. Donc, lisano lisili kobanda. Les jeux a déjà commencé. Yingera na elimu ya lisano ya. Entrez déjà dans l'esprit du jeu. Yo kutika la nanda kote. Ne reste pas à la maison. Kutika la namusalati. Ne reste pas au travail. Bosa na nzala. Oublie la faim. Liboso na nkolo okolia. Devant le Seigneur tu es en train de manger. Beto utikolia. Et nous venons déjà de manger. Beto kokoba na kolia. Et nous allons continuer à manger. Vous savez bien qu'aujourd'hui il y aura mariage. Et sous peu les époux vont entrer. Lelo de Franck à la Kaka Bouyke. Aujourd'hui Zurich. Aujourd'hui frère Franck avait promis que depuis Zurich à Koloba. Il va parler. En direct, tepo bisoban sotoyoka. Ça ne sera pas en direct pour que nous tous nous puissions suivre. Mais il va s'adresser à nos bien-aimés qui sont là comme un échantillon. Mais ne nous inquiétons pas. On va enregistrer cela. Et nous allons suivre cela après. Ce que nous venons d'entendre, c'est comme d'habitude pendant tous ces jours.
Bilei biye biyanga ni samaki. La nourriture qui avait été emmagasinée. Ezokoba na ko kabola. Elle continue à être distribuée. Et to singeli komona yango lokola. Préparation na biso ya mokolo na mokolo. Nous devons considérer cela comme notre préparation quotidienne. Pe kundima liloba yango na motema mobimba. Et croire cette parole de tout cœur. Ne disons pas aux des anciennes prédications. Même Matthieu, frère Branham. Même les prédications des frères Branham. C'est des anciennes prédications. Avant même y a frère Franck. Avant même celle des frères Franck. Matthieu y a Paolo. Les prédications de Paul. C'est des anciennes. Y a Moïse et puis y a Kala. Celle de Moïse aussi, des anciennes. Allô. Komiko sate koloba me wana matea kala. Ne te trompe pas leur en disant. Toza la matea sikati. Nous n'avons pas de nouvelles prédications. Évangile toloba kaeza ancien. Yakala. Évangile oyo. Cet évangile. Eza ancien. Ezali akala. Mais nouvellement révélé. Kasi emoni sami sika. Remis sur le chandelier d'or. Bezongi sami ne telemunda olo. Oh, et quoi qu'éclairer Bissobas. Afin qu'il puisse nous éclairer tous. Eh bien, ami évangile éternel. Eh bien, ami sangomala mouyala. Qui est la parole de Dieu. Qui demeure éternel. Donc, omikosate. Alors, ne te trompe pas. Que il faut bisoto yoga mate yakaka ya lingwala. Oh, nous devons écouter seulement les prédications de lingwala. Toi, la mate ya lingwala. Nous n'avons pas de prédications. Mais que balobi que ben non mais. Oh, ana, ezala kinde pona Krefeld. Beaucoup disent, mais cela c'était pour Krefeld. Mais oh, toujours tant en 1 Corinthiens, ezaki pona Corinthe. Mais ce que nous lisons dans 1 Corinthiens, c'était pour Corinthe. Oh, il y a. Toujours tant en Éphésiens, ezaki pona Éphèse. Celle qu'on lit dans Éphésiens, c'était pour Éphèse. Toujours tant en a Mukanda épître y a bas Romains, bas adressa bas Kinoate, mais ce sont des Romains. Nous lisons l'épître aux Romains, elle n'a pas été adressée aux Kinoate. Parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Le Valianzambe, c'est le Valianzambe. Donc, biloko wana il faut qu'on vende kango bien mutoa ningisayo. Ça dit, il faut bien être bien positionné dans ces choses avec personne. Olie frère, il a quoi teya? Olie frère, bosenge teya? Olie frère, il a ngateya? Ma vendi baso yo kamateya Franck et Yaka. Ils s'assoient, ils sont en train d'écouter les anciennes prédications de Franck. Oh. Oh là là. Mais tu yo kamateya kala frère Branham. Mais nous écoutons les anciennes prédications de Franck. Frère Branham, mais ça y abiso lelo. Frère Branham n'est plus en vie pour nous prêcher mais aujourd'hui. Mais abiso héritage. Mais il nous a laissé un héritage. Mpe bongo na bongo. Et ainsi de suite. Voilà. Bongo. Tozui moi basango meyambo na kutike la bandeko baye tuyambi bango baya kopesa bambote. Nous avons quelques annonces, mais avant cela, je laisserai la place à nos bien-aimés visiteurs de bien vouloir saluer l'église. Deko Jean-Paul ya Montréal ayaliawa. Le frère Jean-Paul de Montréal est ici. Dès que Josué, je croyais Edmonton, c'est ça? Azaliawa. Le frère Josué d'Edmonton, il est ici. Docteur Nabiso, ce qui vous obéit à attendre, il a exercé le ministère. Notre docteur, même quand tu es malade, même quand il est là présent, il peut exercer son ministère. Dès que Nabiso est à moi, c'est Annie Moussaou. Atlanta, les États-Unis d'Amérique. Notre sœur Annie Moussaou d'Atlanta aux États-Unis d'Amérique. Yepe azwamia wana yoka kisango. Elle est aussi ici, j'ai appris ça. Kokota nangai kaka nazoya pona kotawa. Pendant que je venais pour entrer ici. Nakutani nandeko Israël ya Montréal. J'ai rencontré les frères Israël de Montréal. Ainsi que ma sœur qui est sa femme. Juste à la porte ici, eux aussi voulaient entrer. Quelle rencontre!
On dirait tango bisope toko kende toko kutana na nkolo et puis toko kutana sale. De comme nous irons, nous rencontrerons les seigneurs. Et tout kuinge na bisobanso na sale. Et tous nous venons d'entrer dans la salle. Salle ya correction. La salle des corrections. Bangope bazwami awa. Eux aussi sont ici. Ezangite bandeko basusu baye ngai na yebite ke basiba komi. Il est probable qu'il y ait aussi des bien-aimés. Que tous puissent bien vouloir s'élever afin que nous puissions les recevoir avec l'amour en Christ. Voilà. Bongo. Qu'ils puissent tous s'élever afin que nous les voyions. Mes frères Josué, Nayoki, Ayaki, Nandekumwasi, Nabiso, Oyazamwasi, Waye. Mais frère Josué, j'ai appris qu'il est venu avec notre sœur, qui est sa femme. Ainsi que les enfants qui sont aussi nos frères. Nos sœurs. Nos frères ou nos sœurs. Voilà. Mais boyo bazali batei. Mais ceux qui sont prédicateurs. Deko Josué, deko Israël. Frère Josué, frère Israël. Bango bakoya awa sima na kunyangira bandeko bazo. On venir après qu'on aura reçu tous les autres bien-aimés. S'occuper monter mususu azali akoya po alikrepo boya pesa bisu mbote na bokuse. Et si un autre prédicateur, il peut monter ici et nous saluer brièvement. Est-ce que tu yambi bandeko bazo na esengo na kombo nkolo Yesu Kristo? Est-ce que nous accueillons tous les bien-aimés avec joie en Christ Jésus-Christ? Montrez-leur la main. Vous pouvez vous rasseoir. Les prédicateurs, venez ici. Frère Israël, pouvez venir. Frère Josué, pouvez venir. Si un autre frère prédicateur, il peut monter ici. Que le Seigneur vous bénisse tous. Amen. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je suis votre frère. Nazali je ne suis pas un étranger. Nazali je suis aux côtés d'un collaborateur. Nazami pembeni amosali longo. De longue date. Ya mibwesi leke bele. Je respecte le travail qui se fait ici. Na komemia mosala moko salemawa. Et je les considère. Je mange à la même table que vous aussi. Nous croyons la même parole. Nous prêchons la même parole. Et nous attendrons les mêmes promesses. Et quand le temps sera là, nous enterrerons ensemble. Comme le bien-aimé l'a dit. Nous ne donnons la gloire à aucun homme. Toute la gloire revient à notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Il est notre Dieu. Il est notre époux. Et il revient bientôt. Et nous nous préparons en écoutant la parole de Dieu. J'avais à cœur sincèrement de venir communier avec vous. C'est depuis jeudi la nuit que nous sommes arrivés. Je n'ai pas parlé avec mon bien-aimé Joseph. Que nous aimons. Otolingaka. Ah, nous l'aimons. Tolingaka. Comme lui aussi nous aime. Lokola ipe alingaka mingi alingaka biso toyebi. Ainsi, je dis à ma bien-aimée sœur. Nabona koebisa nde konanga molinga mingi komasi. Une fois arrivé, je serai là pour m'acquitter d'une tâche. Nantangoka nakokoma nakokoma kuna poete na futa nyongo. C'était d'abord une dette sur le cœur. Ezaki amboya mbonyongo na motema. En 2021. Na 2021. Je suis arrivé dans la ville. Nakoma kinengumba. Et je n'ai pas pu venir ici. Ce n'est pas par mépris. Non, le temps était difficile. Il laissait lui-même. Il m'a visité. Et les bien-aimés nous ont visités. Courtement, je voulais dire, cette fois-ci, je suis ici, malgré les circonstances, et nous nous remettons à la disposition du Seigneur. Amen. Je ne suis pas seul.
Au Montréal, nous sommes avec notre bien-aimé Jean-Paul, la sœur Judith et les enfants. Na Montréal, na zali na ndeko Jean-Paul, na ndeko moi si Judith longo na bana. Nous sommes avec la sœur Clémentine. Zona longo na ndeko moi si Clémentine. Veuillez vous lever, mes bien-aimés. Boko tiko telema balingami. Encore une fois, ma sœur Clémentine, sœur Judith. Ndeko moi si Clémentine, ndeko moi si Clémentine. Judith, c'est la femme de notre frère Jean-Paul. Et Judith Azali, moi aussi, en déconnexion Jean-Paul. Clémentine aussi, c'est ma part. Clémentine Azali, na Morangai. Et on me dit qu'il y a quelqu'un d'autre, les enfants. Bana. Ah, la sœur Judith est là. Déco Judith Azali. Son mari est là. Mobali n'est pas Azali. Beaucoup de choses à dire. Makambobela Koloba. Mais nous nous limitons là. Tosuki Ndewana. Nous ne sommes pas loin d'ici. Tosuki Mosika Nawate. Les bien-aimés nous ont chargés. Balinga Pesa Biso Mokumba. Tous de vous transmettre les salutations fraternelles au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Recevez-les. Boyambango. Amen. Nous avons deux sœurs. Je pouvais citer quelques noms. Sœur Jeannette, sœur Régine. Et l'église, notre bien-aimé frère Jean. Et tous les anciens de l'Assemblée. Nous ont demandé de vous saluer. Amen. Et nous saluons d'une manière particulière notre bien-aimé. Joseph. Qu'il nous pardonne. Ah, nous ne sommes pas loin d'ici. Nous sommes arrivés et notre bien-aimé de Calgary. Non, je voulais dire les bien-aimés de Calgary. Il était chez nous il y a beaucoup d'années. Je l'ai vu aussi, comme lui et moi, on a grandi chaque jour. Le plus important, c'est de croître dans le Seigneur. Par la grâce de Dieu. Et arriver ensemble à expérimenter l'achèvement. Bientôt, nous combattons tous ensemble. Nous défendrons pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Cette parole, on l'a entendue ce matin, une partie. Et quand nous nous réunissons, quand nous prêchons, quand nous exhortons, quand nous crions, c'est pour cette foi-là. Nous ne voulons pas de nouveautés. Nous voulons revenir. Revenir à ce qui était au commencement. Et c'est pour cela que Dieu a envoyé les prophètes. Pour nous ramener à ce qui était au commencement. C'est ce que nous croyons. Dans les pratiques, dans les expériences, nous voulons revenir à cette foi-là. Que Dieu vous bénisse. Qu'il bénisse le marié. Pour le reste, nous nous recommandons entre les mains du Seigneur. Nous nous recommandons vos prières. Il y a des serviteurs de Dieu qui vous ont aussi salué. Quand le temps sera donné, on le fera. Mais en attendant, j'aimerais bien m'asseoir, écouter, me réjouir et communier parce que j'aime ce qui se fait ici. Que le Seigneur vous bénisse. Nous aimons pas mon banso. Amen. Mon frère. Sœur Clémentine. Ok. La sœur Clémentine. De comment c'est Clémentine? C'est ma femme. Yende moi si nangai. Je lui ai prêché la parole. Ngai na te akieli loba. Je suis son prédicateur. Nazali motei na ye. On n'avait aucun enfant. Il m'a vu prêcher jeune étudiant. Et alors, elle s'est dit, le jour où je te verrai prédicateur dans ma vie, je serai content. Mais nous étions comme cet homme-là qui fuyait la présence de Dieu. On fuyait ces choses-là. On n'a pas cherché à être prédicateur. Je ne l'ai jamais cherché. Mais lui m'a cherché. Il m'a trouvé. Il m'a placé. Il m'a conduit. Il nous soutient. Et chaque jour, j'aimerais toujours me rendre humble. Reconnaître les autres comme étant au-dessus de moi. C'est cela notre position. Que le Seigneur vous bénisse. Zamba pambola bino. Amen. C'est la maman qui prépare pour moi le foufou à Montréal. Frère Joseph, il y a peu. Frère Joseph, mange aussi ça. Mange encore, il a ça. Zamba pambola yo, ma soeur Clémentine. Que Dieu vous bénisse, ma soeur Clémentine. Net in doto. Comme un rêve. Hein? Tu es la présente. Frère Josué. Doko Josué. Munganga.
Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est pour moi un plaisir d'être au milieu de vous. J'ai rencontré le frère Lilanga il y a quelques années en Belgique. Et il est passé par le Canada il y a quelques années. Nous avons parlé au téléphone. Et j'avais exprimé le désir qu'il puisse nous visiter aussi. Mais il y avait très peu de temps. Et le Seigneur, cette fois-là, n'a pas permis qu'il soit au milieu de nous. Mais je l'ai précédé. Aujourd'hui, je suis au milieu de vous. Et c'est peut-être une dette pour lui. Il devra me retourner la monnaie un jour si le Seigneur le permet. Je voudrais vous transmettre les salutations de nos frères et sœurs de l'Assemblée de Calgary. Recevez-les-né au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Et si vous le permettez, je vais demander à mon épouse de s'élever pour que vous puissiez la connaître. C'est votre sœur Rachel. Et à ma fille, votre sœur Ruth, qui m'ont accompagné. Et nous sommes en partance pour Mbujimaï demain, si le Seigneur le permet. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci, mon frère. Il y a pasteur titulaire et assemblée à Dingwala. Oui, il est aussi le fils, comme on dit, hein, le fils du pasteur titulaire de l'Assemblée de Dieu. Berger titulaire, est-ce que vous êtes bien? Vous le connaissez? C'est qui? Je n'entends pas. Quel billet? Calombo. Billet Calombo. Voilà. C'est son fils aussi. Mais, je ne manquerai pas de bien. Ani Moussaou. Ani Moussaou. Aza moana ya Mundekombi et Kalombo ya Mbujimaï. C'est la fille de frère Mbie Kalombo de Mbujimaï. Fille aînée. Sa fille aînée. A quoi tu es manan? Quel puisse aussi se présenter yeno ya zalelo mais auta nambi. On l'a présenté, c'est qu'elle est aujourd'hui, mais elle est venue. Donc, elle sort. Elle est chez Ani Moussaou. Nous avons dit Ani Moussaou. Mais Ani Moussaou anande. Kala Ani Mbie Kalombo. C'est Ani Moussaou là, auparavant, il était Ani Mbie Kalombo. Kounande na Atlanta, et kozala ka etumba, il faut na komananda konalala. Là, à Atlanta, c'est un combat. Je dois arriver à la maison et passer nuit. Kouye bisana frère Bertin, eza mokolo yanga ilelo. Il faut aller à Paiboy. Il dit à frère Bertin, c'est mon tour aujourd'hui, il doit venir ici. Et puis, au Kokuta, Mesa et Tandami, vous trouverez la table est garnie de toutes sortes de plats. Vous savez, nous avons des véritables frères et sœurs. Awa bandekwa musuni bazako kosa ngai moko ndeko naye ngai moko wana ezali conditionnel. Ici les frères dans la chair font semblant, c'est moi son frère. Bazo mona que maye kotio. Cet amour est conditionnel, voit que l'eau coule encore. Soki mbongo ezate ndeko ya musuni moko akokipe. Si tu n'as plus d'argent, aucun frère charnel ne va plus faire ça. Na ba véritable sœur na ba véritable frère. Bandeko ya solo ya dans le monde entier. Kati na mokili mobimba. Il ne va pas te dégoûter. Comme moi, il ne va pas te bailler. Le frère dans la chair, tu exagères. On te donne ce que je ne mange pas. Mais pas vous. Vous ne pouvez pas vous inquiéter pour ça. Que Dieu vous bénisse, ma soeur. Voilà. Bongo. Tout cela qui est Mobembo. Nous avons fait un voyage na Brazzaville. À Brazzaville. Awa tutika ki matanga. Nous avons laissé un deuil ici. Yakufande konabiso Timba Luwawa. De la mort de notre frère Timba Luwawa. Et singela ki nzoto ezonga na kati ya mabele mokolo mwa poso. Et le corps devait être retourné à la terre le samedi. Oyo ya lobby. Mais c'est-à-dire hier.
Zokande Ndeko Anatole Kimbembe ya Brazzaville. Et pourtant le frère Anatole Kimbembe de Brazzaville. Yepe azongaki omboka. Yoshi est retourné à la cité. Na paradis. Il est retourné, il est allé au paradis. Denge mokona Ndeko Simba. Comme le frère Simba. Conformément na yekomami na Bible. Conformément à ce qui est écrit dans la Bible. Kwaya kitakate soki akufi. Le croyant ne descend pas quand il meurt. Mais kwaya amataka. Mais le croyant il monte. Le reste est tout tiki la kanza. Le reste nous recommandons à Dieu. Bandeko basenga ki tokoma. Les bien-aimés ont demandé que nous arrivions là. Kokendete. Je ne voulais pas vraiment y aller. Mais la bandeko yawa. Mais que ce soit les bien-aimés d'ici. Mais la bandeko yangambo. Que ce soit ceux de l'autre côté. Bandeko lobaka ebongo uzangati. Disait non, tu ne dois pas manquer. Il ne faut pas que tu manques. Avant nous. Ibo sonabiso. Deko Kalonji yazaki mokengeli na bisowa. Le frère Kalonji qui était notre pasteur ici. Lié. Nan Deko Anatole. Il était lié à frère Anatole. Et puis de son vivant. Na mtangwaza na bomoyi. Bisope na liem moko moko ana tuzaki attaché. Nous étions aussi attachés par ce même lien. Et zali kutu frère Kalonji de asengali ko kende ko pambola libala na ye. C'est d'ailleurs frère Kalonji qui devait aller bénir son mariage. Mais Salamaki te ya keite alobi lila yokende. Mais c'était fait qu'il n'est pas, il n'y est pas allé lui-même. Il a dit que lila tu puisses y aller. Koma ki na tango ya kubala. Parce que quand le temps de se marier est arrivé. Choix na ye asalaki yango na kuyanga na oyo. Son choix il avait fait dans cette assemblée. Peto kende na ndeko Machita Richard. Nous sommes allés avec frère Machita Richard. Longona bandeko Benita bo bazasa saipe na Boston. Ainsi que la sœur Benita qui se trouve à présent à Boston. Et puis les balles allaient les cas bien. Et le mariage s'était bien passé. Et puis ça qui nous colle la coup de pouce comme un modèle à Brazzaville. Ça donne une sorte de coup de pouce au modèle à Brazzaville. Pour bamona un mariage est à la célébrer dans le lingue à l'okumu bongo. Pour que un mariage soit célébré avec honneur de cette façon-là. Et puis ça qui goût na basusu koko kako balaka. Ça donnait maintenant le goût aux autres de pouvoir se marier. Mais le Seigneur venait de le reprendre. Nous sommes allés avec Frère Ndombe de Bwende. Parce que Ndeko Anatole a katsaki awa na ngambo ya Congo démocratique ya kendeiti na Chwapa kuna na Bwende na Grand Équateur. Parce que le frère Anatole a traversé à Kinshasa, il est allé jusqu'à Bwende là awa, dans le Grand Équateur. Awa na Kinshasa tozaki na Ndeko Sam Kitoko ya Delvaux. Ici à Kinshasa on est avec le frère Sam Kitoko de Delvaux. Ndeko Kalala Wanzambi ya Karigres. Ainsi que le frère Kalala Wanzambi de Karigres. Jambe asunga kibiso. Dieu nous a aidés. Vraiment, Ezraki pepele pepe. Tout s'est vraiment très bien passé. Ezraki atala ba document mosuto kokaki kozanga. Il y a certains documents qu'on n'a pas eu. Dieu a facilité tout chose. Kasi nzamba komisaki nyoso salema na pepele nyoso. A tel point que tukutani na mukakatano ata moko te. A tel point on a rencontré aucune difficulté. Jusqu'à être reçu na numéro 2 il y a DGM qui nous a été reçu na moto comme tombe à DGM dans son bureau et on a fait beaucoup de minutes na bureau na moko to le kisa ki ba minute ebele kuna pe tokatisa et nous avons traversé kuna tokutaki nyoso ezaki arrangé là on a trouvé que tout était arrangé bandeko bayako ya mbabiso les bien-aimés sont venus nous recevoir zoto ese bimaki uta ndako ya malili le corps était déjà sorti de la mort batia ke ango na lupango ya famille dans la parcelle familiale. Ils attendaient seulement notre arrivée. Afin que tout puisse bien commencer, surtout la prédication. Et au beach, on a rencontré aucune difficulté. Très vite, nous sommes allés au lieu de là où le corps est exposé. Alors, quelques minutes après. Et quelques minutes après. On a donné le programme que, qu'à présent, après les cantiques, nous aurons la prédication par notre frère Joseph, frère Joseph Lilanga de Kinshasa. Et après, c'est après que nous irons retourner le corps à la terre. Après cela, nous aurons un culte dans l'une de leurs assemblées. Là, c'était vers le soir. On nous a invités, nous avons fait attendre la voix du Seigneur en rapport avec la mort. Côté de la Kaliwa,
l'assévérissement et la résurrection. Peut lisser quoi? Que ça s'est pas arrêté là. La transmutation Mbongwana et l'enlèvement. Nous, c'est de cette façon-là que nous croyons. C'était vraiment de la joie parmi les enfants de Dieu. Après la prédication, les gens se sont levés pour applaudir. Mais c'était une confusion. Il pensait que c'était un parlement. Et sur les champs. Et Nambalamoko Anato Simbola Kiango. Ah, oui, ça parle. Ici, ils ne sont pas dans un parlement. Moutumoko Outiko Sale, l'okote Pobobetelaye, Maboko. Personne ne vient de faire quoi que ce soit pour que vous l'applaudissiez. Tout ce que nous faisons, Mansotokosalaka, c'est Dieu qui l'accomplit. Zambende Akoki Sakango Katinabiso. Alors, son Kembo Ezali, Ezayaye Moko. Alors, si il y a la gloire, c'est à lui seul. Aloba, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Aloba na kozanganga brotiko sale lokomoko. C'est lui-même qui produit en nous le vouloir, kolinga, le faire. Peko sala. Moto muzuzute. Personne d'autre. Tosukisaki. Nous avons fini. Et to memana ke bisubanso na malita. Et tous nous sommes allés au cimetière. Et kuna na malita. Et là au cimetière. Balobi, mais kaka yo lisusu di okoloba. Ils ont dit, mais c'est toujours toi qui vas dire quelque chose. Nangolo yankolo tolobaki. Par la grâce du Seigneur, on a dit. Okolo akwange kotia na monoko na biso. Que le Seigneur a pu mettre dans notre bouche. Pweza la te biso de tozoloba. Enfin, ça ne soit pas que celui qui parle. Mais que ça soit lui. Beto sukisaki. Et nous avons fini. On nous a amené là où il fallait manger quelque chose. Mais c'était difficile. C'était difficile avec mon régime. Des plats succulents, mais on a mis ce que vous aimez, moi, mais moi je ne supporte pas ça, c'est-à-dire le sel. Ce que je pouvais manger comme fruits, j'en ai mangé. Nous sommes retournés à l'hôtel. Nous sommes échangés un peu. Après, nous sommes allés au culte du soir. Chez le frère Stéphane Kwanga. C'est là que le culte a eu lieu. Nous étions contents parce que les prédicateurs qui se réclament d'être dans la sainte doctrine. La majorité na bango bazalaki wana pona kobongisa bokundami ya moko na bango. Apparemment, la majorité d'entre eux étaient présents pour enterrer, pour l'enterrement de l'un d'eux. Et puis il était amaki. La prédication était donnée. Ezalaki esengomi. C'était une grande joie. Peto sukisaki. Et nous avons fini. Makamasusu moya kokota na détail été. D'autres choses, on n'entre pas en détail. Tout ça qui bien logé, bien accueilli. Nous étions bien accueillis, bien logés. Nous avons trouvé là-bas des vrais frères et sœurs. Ceux qui nous aiment. Et ceux que nous aimons aussi. Et de nouveaux contacts. Il y a eu de nouveaux contacts. Et à la prochaine. Les bien-aimés pourront préparer des rencontres. Que tout soit ensemble. Ils pourront alors nous inviter afin que nous allions pour partager le pain ensemble. Mais in fine, nous avons trouvé un frère congolais d'en face qui est là-bas l'un des responsables de l'OMS. Le frère Steve nous a bien accueillis. Il nous a promenés pour nous montrer les OMS Afrique. Pour nous montrer les installations de l'OMS Afrique. Direction OMS en Afrique à Mobimba, Isaac à Brazzaville. La direction de l'OMS, toute l'Afrique se trouve à son siège à Brazzaville. Qui nous a mis dans un restaurant à Bango. Jusqu'à nous amener dans leur restaurant. Là aussi, j'ai pas pu manger des bons plats. Parce que j'ai trouvé du sel dans tous les plats. Mais j'ai pu manger quand même une pastèque.
Et puis, tout ce qui s'est passé, il y a des gens qui sont venus. On a fini, diligence nous a ramené. Mais avant cela, tout ce qui est venu, c'est qu'à matin, avant ça, nous sommes allés au lieu du deuil. On a frère Anatole. Pour voir les enfants du frère Anatole. Quelque chose, tout ce qui est venu. Quelque chose qu'on a fait. Qu'on puisse donner à son enfant, à son aîné. Devant maman Naï. Devant sa mère. Pour maman Naï, maman Abango Katsaki Azakuna. Parce que leur maman a traversé, elle était déjà là. Et puis, on a prié, on les a exhortés. Nous sommes retournés au port. Et frère, le frère Steve, quand il a vu il a appelé au port. On a loué pour nous un canot rapide pour nous-mêmes. Pour tout traîner, pour tout s'engager, pour rejoindre Bino. Afin qu'on ne traîne pas, parce que nous devrions vous rejoindre afin qu'on puisse communier ensemble. Alors, nous sommes partis à quatre. Mais trois sont restés, trois sont rentrés, un est resté. C'est le frère Ndombe qui est resté. Pour pouvoir exhorter les bien-aimés. Il pourra rentrer demain. Il voulait rentrer demain lundi, mais les bien-aimés ont demandé qu'il passe trois mois. Il a dit non, trois mois, ce n'est pas possible. Parce que j'ai encore d'autres dettes. Mais ajoutons une semaine. Alors, il va faire une semaine là-bas, après il pourra revenir ici. Si vous m'avez vu en train de somnoler pendant qu'il y avait une belle prédication ici, ce n'était pas volontaire, c'est cette fatigue-là. C'est comme journée où on est à jeudi, j'ai prêché trois fois. C'est comme si la journée de jeudi, j'ai prêché trois fois. Et avec l'âge on a atteint. Avec l'âge que j'ai atteint. Ce n'était que la grâce de Dieu. Ezaki obengolo na Nzambe. Alors, comme résultat, c'est que fatigue pour parler comme on a gagné. Le résultat, c'est la fatigue que vous avez vue ici. Mais c'est Dieu qui nous donne la force et qui nous la renouvelle. En tout que son nom soit loué. Amen. Un frère prédicateur qui s'élève. Très vite, mon frère. Juste le nom et les lieux de provenance. Shalom. Le Seigneur vous bénisse. Amen. Je suis votre bien-aimé dans le Seigneur. Le pasteur Guillaume Wemakoi de Tabernacle de Miséricorde à Kisangani. Pasteur Guillaume Wemakoi à Koyangana et Mongomba Kunana à Kisangani. Il y a à peu près 3 ans que j'étais venu visiter ma petite sœur qui habite quelque part ici. Le Kimibou Misatouna Kikotala, le Kinanga Mouachokofanda Pembeniawa. J'ai vu qu'il y a un tabernacle. Namona qui était Mongombo Mokozaliawa. Alors, Dieu a fait qu'aujourd'hui je vienne partagez avec vous la nourriture spirituelle. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Amen. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup. Est-ce que tu y as bien dit que Guillaume est sengo? On accueille Frère Guillaume avec joie. Amen. Bouye tokoleka. Ici nous allons passer. Pour ajouter un tout petit peu la parole de Dieu. Appelez les mariés, où sont-ils? Ils viennent seulement se marier, ils n'écoutent pas la prédication. Comment vont-ils alors vivre dans leur mariage? Nous allons lire dans Jude l'écriture qui a été lue aujourd'hui. Ne fût-ce que pour se dégourdir le dos et les pieds, veuillons nous lever. Le premier verset. Kino Molongo. Jusqu'au septième verset, juste pour la lecture.
Jude serviteur de Jésus-Christ. Yuda Musali ya Yesu. Et frère de Jacques. Pende kwa Yakobo. À ceux qui ont été appelés. Et pas ba babianga maki. Qui sont aimés en Dieu le Père. Beba kolinga makati na Nzambe Tata. Et gardé pour Jésus-Christ. Et bien, battez la mi pour Jésus-Christ. Et non pas pour autre chose. Gardez pour Jésus-Christ. Battez la mi pour Jésus-Christ. Non pas pour Paul. Et allez pour Paulo. Et non plus pour Branham. Et allez pour Branham. Mais gardez pour Jésus-Christ. Quand si vous battez la mi pour Jésus-Christ. Non pas garder pour des interprétations. Mais garder pour Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ est la parole. Mais Jésus-Christ est la parole. Que la miséricorde, la paix et l'amour vous soient multipliés. Bien aimé. Alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun. Je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre. Pour vous exhorter à combattre. Non pas à combattre pour la politique. Pour le pouvoir. Pour l'argent. Pour le succès de ce monde. Non. Il ne faut pas combattre pour l'amour de la patrie. Nous, non. Mais à combattre pour la foi. Pas combattre pour une foi. Non. Mais pour la foi. Qui a été transmise. Qui a été enseignée. Selon la version d'Arbi. Une foi pour tout, hein? Et cela au sein. Il ne faut pas que foi soit la transmise chaque fois. Mais une fois pour toutes. C'est-à-dire pour toutes les autres fois. Car il s'est glissé parmi nous ou parmi vous, certains hommes, quelques hommes, d'une espèce quelconque, dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies. Et non pas des pieux, mais des impies qui changent la grâce de notre Dieu, qui altèrent la grâce de notre Dieu, qui perpétuent la grâce de notre Dieu en dérèglement, en dissolution, en désordre, et qui réunit notre seul maître et Seigneur Jésus-Christ. Il le réunit. Je vais vous rappeler et je rappelle à vous qui savez fort bien toutes ces choses. Parce que vous avez de la connaissance. Et vous avez fort bien toutes ces choses. Vous connaissez la vérité. Et la vérité vous a rendu libre. Que était le Seigneur, Nkolo, après avoir sauvé le peuple, Nassima Kobi qui s'alibota, et l'avoir tiré
du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incroyables, les incrédules. Y périr dans le désert. Amen. Amen. Maintenant le même Seigneur qu'il a réservé pour le jugement du grand jour enchaîné éternellement par les ténèbres, les anges, les porteurs du message messianique du temps de Noé, qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure, leur position. Que Sodome et Gomorre et les villes voisines qui se livrèrent comme eux, comme ces anges-là, des anges terrestres du temps de Noé, de la lignée de Seth, qui se livrèrent comme eux à la fornication. Des anges se livrèrent à la fornication. Et les gens du temps de Lot, les habitants de Gomorre et de Sodome, se livrèrent de la même manière à la débauche et à des vices contre nature, de l'irration contre la loi de Dieu. Tout cela, Bango Bansoana, sont donnés en exemple. Sont donnés en exemple. Kati. Ndakisa. Ndakisa oyo ezaya basusu oyo basala makambo ya ndenge bo wana basala. Cet exemple, c'est pour ceux qui font ce que les autres avaient fait. Deux groupes wana. Ces deux groupes-là. Yebaka ke baza modèle. Sache qu'ils sont un modèle. Baza exemple. Ils sont un exemple. Yabo ya lelo. De ceux d'aujourd'hui. Baza ko koba na biloko yango moko moko lelo. De ceux qui continuent avec les mêmes pratiques aujourd'hui. Bako subir même châtiment. Bako yeka la même punition. Bako je tout mandenga moko. Subissant la même peine d'un feu éternel. Ko lekanaka ne tumba ngo moko moko ya moto ya lala. La seconde mort. Oh, ils allaient où aller? Et konikaban. Va les broyer. Zambe apambula oyo katina kumbu yankolo Yesu Christo. Que Dieu bénisse ici au nom du Seigneur Jésus. Togo govanda, togo govanda. Pouvons nous rasseoir. Togo ina nokole kate sa kozungela. Nous ne pouvions pas passer sans revoir parce cette écriture. Na yango ne l'homme de Dieu. Car c'est sur ça que l'homme de Dieu a outi kolobela. Venait de parler. Mais à se basaki no itali kondima. Mais il s'est basé sur ce qui concerne la foi. Même l'obinoliki. Même hier. Itali la ki bobele kondima. Ça ne concernait que la foi. Parce que l'obinoliki. Carrière. Il pouvait être élu ici, dans Romains. Il est écrit ceci, son cinquième chapitre. Le premier verset. Étant donc justifié par la foi. C'est la foi qui a été transmise une fois pour toutes au sein. C'est la même foi là. Et t'as donc justifié
par la foi qui est fondée sur les promesses de Dieu. La foi véritable qui est basée sur le fondement solide, sur la pierre angulaire, sur cet homme de Galilée, Jésus-Christ le Seigneur, sur ce Dieu-là manifesté en chair, sur ce rocher séculaire, la foi, comme le disent les Écritures, la foi dans le Fils de Dieu en tant que Seigneur et Sauveur personnel. La foi dans l'œuvre de la croix. Vous allez me rappeler. Une sœur va chanter. Salut de quelle sœur? Qui va chanter? J'ai vu qu'on a demandé. Et les sœurs qui viennent communier avec nous aujourd'hui. Où est la sœur en question? Azawa. Où est-elle? Akobongama. Qu'elle s'apprête. C'est elle, pas maintenant, hein, qu'elle attend. Si Koyote, Azela, Azela. Elle va chanter. Bon. À s'approcher. Qu'elle s'approche. Elle est courageuse. Ah, elle est courageuse. Viens ici. Yakawa. Viens, viens, viens. Ne chante pas encore. Pas encore, attendez. Venez. Viens. Ok. Voilà les sœurs qui vont chanter pour nous. Ouais. Siko Bolanda, Botalanga, Ikotala Batuana. Maintenant, regardez-moi, regardez-moi, suivez. Et t'as donc. Justifié par la foi. Frères et sœurs. Pas la foi catholique. Et non plus la foi protestante. Mais la vraie foi. La foi qui est le don de Dieu. La foi dont Dieu suscite. Il est l'auteur de la foi et aussi le consommateur de la foi. Celui qui la commence et l'achève l'amène à la perfection. Et t'as donc justifié par la foi. Justifié ici ne signifie pas pardonner. Mais c'est justifié. C'est-à-dire déclaré juste devant Dieu. Dieu nous prouve notre innocence. Nous n'étions jamais coupables. C'est comme nous n'avions jamais péché. Il nous justifie. Il nous déclare juste. Devant lui, il nous voit comme il nous voyait au commencement. Avant la chute. C'est comme ça. Il y a des choses. Dieu, tango moto asumukaki, quand l'homme avait péché, na kozanga ka botosi na liloba ya Nzambe, en désobéissant la parole de Dieu, l'homme est devenu pécheur. Moto akomaki musumuki. Étant pécheur, kozanga musumuki. Il méritait la condamnation. Moto abongaki na kokoyisama.
Parce qu'il était devenu coupable. Vous il avait transgressé la loi de Dieu. Tu ne mangeras pas. Mais lui a mangé. Il est devenu transgresseur de la loi de Dieu. Désobéissant. Parce qu'il avait écouté la voix de sa femme. Au lieu d'écouter la voix du Créateur. Il est devenu pécheur. Dieu n'a pas créé l'homme pécheur. Mais l'homme est devenu pécheur. Il a mal utilisé l'application libre arbitre. C'était une application. C'est comme les appareils de communication que nous tenons. Tu vas trouver à l'achat toutes les applications. Mais c'est toi qui vas les activer. Mais ce que au salaire mabé application mais si tu utilises mal et talion moko c'est ton problème à toi. Je comme attends à salaire qui mabé yaye application il y a libre arbitre. Il a mal appliqué son libre arbitre. Aïe qu'on choisir entre la parole de son créateur Aponaki. Et la parole de sa femme. Aponekati ya liloba mokelinena liloba mosinaye. Aponi ya mosinaye. Il a choisi la parole de sa femme. Au lieu d'écouter le Créateur, c'est la même faute toujours ça. La même faute que nous commettons aujourd'hui. Au lieu d'écouter Dieu, nous écoutons l'Église. Dans notre Église, on fait ceci. Si l'Église a la voix de Dieu. Ce que l'Église en Jésus, mon gongo et en Zambé. Si ce que l'Église est pas. Ils aillent en gongo et l'Église en Koloba. Si, ce que l'Église est pas. Ce qui en gongo et l'Église en Koloba. Elle transmet la voix de Dieu. Elle nous fait entendre la voix de Dieu. Nous pouvons l'écouter. Donc, qui croit que l'Église mais cela, si la voix de l'Église est différente de la voix du Créateur. N'écoutons jamais l'Église. Écoutons Dieu. La femme typifie l'Église. Moi, si Atali Sakande Ecclesia. C'est très important. Ezali na motu ya mingi. Amen. Amen. Boni lelo, autant que les Bibles. Mais l'Église est la mission bâtie. Combien aujourd'hui tu lis la Bible? Dans notre religion, on ne prêche pas comme ça, on ne croit pas comme ça. Ezali bungango moko moko. C'est la même faute. Adam a salaka. Qu'avait fait Adam? Nous ne la faisons pas. Au moins le premier Adam. Adam reproche à Dieu pas en Zambé. Le reproche qu'il a eu de la part de Dieu. Et dans le chapitre 3 à Genèse. Ils ont compris ça tu es bien. Verset 17. Car Zambi. Tu as écouté la voix de ta femme. Mon gongo ya mwasi na yo. C'est ça ta faute. De libunga na yo. Il ne fallait pas écouter la voix de ta femme. Et c'est là qui t'a mongongo moi sina yo. Parce que ta femme ne t'a point crié. Jamais moi sina qui l'a qui osom kete. Il ne t'a jamais mis sur la terre. Ata yo osom kete na mabele. C'est bien moi qui t'ai mis. Kasinga nde na tia kio. Qui t'ai créé. Et na kela kio. Et toi et ta femme. Na yo na moi sina yo. Il a fallu m'écouter. Et c'est là qui goyo kangai. Avant que ta femme te parle. C'est moi sinon l'obéla yo. C'est moi qui t'ai parlé. Gainera l'obéla ki yo. Et à ce moment là. Ta femme était encore en toi. Moi sinon zala ki nano katina yo. À titre individuel physiquement. Mokolo mokona nzoto boye. Azala ki na inoté. Elle n'était pas encore. Ce n'est qu'après. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Que je me suis dit, je lui ferai une aide. Que lui soit semblable. Et si je l'ai faite, c'est ce qui n'a salaki. C'est seulement pour qu'elle soit ton aide.
Il n'est de qui te soit semblable. Ce n'est pas pour que tu l'écoutes. Ne fallait pas l'écouter. Moi, je t'ai parlé, je me suis adressé à toi. En premier lieu, c'est toi qui devais être le berger de ta femme. Comme le berger de ta femme. Il devait être son prédicateur pour transmettre le même message. Mais comment tu vas maintenant écouter sa voix? Ah, c'est toi-même qui as provoqué ça. Tu vois? Et il a plongé toute l'humanité dans la désobéissance, dans le péché, dans le mal. C'est comme dans la perdition. Il a fallu un second Adam. Qui est aussi le dernier. Et par son amour, l'amour de Dieu, Dieu a tant aimé le monde. Et cet amour a produit la personne de Jésus-Christ. C'est l'amour de Dieu. Jésus-Christ. Il est la manifestation de l'amour de Dieu pour l'humanité, pour les siens. Nous, c'est comme cela que nous croyons. Avec quiconque croit en lui, tu as tant aimé. Avec l'adverbe de quantité. Tant aimé. Ce n'est pas notion temps, mais c'est l'adverbe de quantité. Il a grandement aimé le monde. Beaucoup aimé le monde. Dieu est grand. Et son amour est grand. Sa miséricorde est grande. Sa grâce est grande. Il a donné son fils. Esaïe à son tour. Dans Esaïe chapitre 9. Il dit, il prophétisa. Il annonça d'avance. 800 ans avant. Au moins 8 siècles avant. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Moi, n'a pas la paix, ça m'a les mains. Un fils nous est donné. Et Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Et ta paix, ça qui m'en a gonaillé. Avec quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le premier fils de Dieu, créé, nous a plongé dans la perdition. Mais le second fils, engendré, qui est aussi le dernier, Adam, frère, et nous a amené à l'obéissance. À l'obéissance de la foi. Avec que nous écoutions qu'une seule voix. La voix du bon berger. La voix du créateur. Qui parcourait le jardin d'Éden. Et qui parcourt aujourd'hui toute la terre. C'est très important. C'est quoi, voyez? Biblia. La Bible. Dieu le Père a témoigné de son Adam, qui est le second et le dernier. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection.
Et encore, ça c'est la première fois dans Matthieu chapitre 3. Matthieu chapitre 17, sur la montagne de transfiguration. Le même Père a témoigné. Il y a une fête. Un placement. Voyez frère, était là. Dieu placé son fils bien-aimé. Qu'il avait déjà témoigné. Mais maintenant, il le place. Dans l'autorité full. Il lui donne sa signature. Il lui laisse tout. Afin qu'il agisse. Oui. Pour que sa parole soit reconnue pour la parole du Père. Amen. Amen. Et avec cela, il y a eu des invités. Il y a eu trois personnes. Trois hommes. Deux Baoutaki na paradis. Deux sont venus du paradis. Mon Baoutaki na ciel, septième dimension. L'un venait du ciel, la septième dimension. Jésus n'était pas venu du paradis. Yes, Baoutaki paradis ôté. Il n'habitait pas dans le paradis. Lui était dans la septième dimension. Au-dessus de tous les cieux. Et Bazakwana sur la montagne de transfiguration, selon Matthieu 17. Il a invité trois invités d'ici. Trois témoins de la terre. Jean, Yohane, Jacques, Jacobo, et Pierre. Na petelo. Quel est privilège. Konzoni noyo. Elelo batubazoloba. Aujourd'hui les gens disent. Oh, mutumoko amatana lola. Oh, nul n'est monté au ciel. Si. Yo. Muto amatana lola. Quelqu'un est monté au ciel. Mais lolo wapi. Mais quel ciel? Lolo yamotoba. Le sixième ciel. Obabiangi paradis. Qu'on appelle le paradis. Nan. Qui est-ce? Mais mouto ni bonsoeza. Enoch. Mais le premier homme, c'est Enoch. Mouto yami baleza Moïse. Le deuxième, c'est Moïse. Mouto yami satoeza Elie. Le troisième, c'est Elie. Mais pas de façon, mon agaga Elie n'est amata. Mais les gens voient seulement que c'est Elie qui est monté. Mais Moïse est amata ava Elie. Mais Moïse est monté même avant. Enoch est amata ava Elie na Moïse. Enoch est monté avant Elie et Moïse. Oh, comment tu le sais? Mais tu es bien pour Bible et lobby. Mais nous le savons parce que la Bible le dit. Bible n'est lobby. C'est la Bible qui le dit. Dans Matthieu 17. Dans Matthieu 17. Mais tous ceux qui mouraient dans le testament, ils étaient sous la terre. Oui. Yo. Mais mon kokaka, mais un seul, ne s'est pas trouvé sur la terre. Nalola. Lui, il est monté au ciel. Na paradis, oh ya likolo. Au paradis céleste. Naye, Moïse. Son nom, c'est Moïse. Mais tout le monde devait mourir, non? Oui. Yo. Mais Enoch a couvagité. Enoch n'est pas mort. Elie a bien couvagité. Elie non plus n'est pas mort. Et bango baza Elie lingi. Eux sont les diables. Yabasantu yekeke oyo. Des saints de cet âge. Nous ne mourrons point tous. Pense au toko façon quelque. Tous nous serons changés. Pense au toko bongwana. Selon 1 Corinthiens. Ngemona moko bakolinto. Chapitre 15. Moko apomazo miamitano. C'est l'un des mystères. Eza moko ya mabombami. Et Paul dit, je vous dis un mystère. Mais le voici, nous ne mourrons point tous. Mais tous nous serons changés. En un instant, en un clair. C'est vrai qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Et après quoi vient le jugement. Il est réservé aux hommes. Et pas un abattoir.
Parce que la mort, c'est le rendez-vous de tous les vivants. C'est le chemin de toute la terre. Mais je vous dis un mystère. Si ce chemin-là, de toute la terre, il y en aura quelques-uns qui ne marcheront jamais. Qui ne passeront jamais. La mort, c'est le rendez-vous de tous les vivants. À Dijon, je veux que tu m'amènes à la mort. Ça, je le sais. Au rendez-vous de tous les vivants. Mais l'apôtre nous dit un mystère. Il y en aura quelques-uns qui manqueront à ce rendez-vous. Qui ne répondront point à ce rendez-vous par la grâce du Tout-Puissant. Amen. Amen. Est-ce qu'ils appellent? Est-ce que c'est clair? Oui, frères et sœurs. Il est réservé aux hommes. Il y a une réservation aux hommes de mourir. Mais cette réservation, réservation, il y a quelques-uns qui n'ont pas reçu. On ne l'a jamais réservé. Amen. C'est un mystère. Celui qui en connaît, c'est seulement Dieu qui sait tout ça. Amen. Amen. Nous, c'est de cette façon-là que nous croyons. Moïse a koufaki. Moïse est mort. Mais l'irita naye li monanati. Mais son sépulcre n'a jamais été vu. Frère Israël et Azalia. Frère Israël Frère Josué Azalia. Frère Josué est ici. De comment si Marie-Jeanne et Azalia. La sœur Marie-Jeanne est de ici. De comment si Shekina, frère Justin Mukendi, frère. Patrice Tita, là. La sœur Shekina, frère Patrice. Nous on n'a pas vu le sépulcre de Moïse. Ils ont dit c'est Dieu lui-même qui l'a enterré. Mais quelques-uns de ces apôtres que nous venons de lire ce matin, ils nous révèlent quelque chose. Ça se trouve ici. Voyez, frère. Comment on dit verset 8. Malgré cela, Jude, verset 8. Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, suivent pareillement leur chair, méprisant l'autorité, et injurient les gloires. Or, l'archange Michael, lorsqu'il contestait avec le diable, avec Satan, et lui disputait le corps de Moïse. Disputer le corps de Moïse. Satan voulait prendre le corps de Moïse. Satan a lingaki kozwa nzoto ya Mose. Mais Michael était là. Kasi Michael azala kiwana. Bazo welana. Il se disputait. Nzoto ya Mose. Disputer le corps de Moïse. Satan le vit. Satan dit. Diable le binga na kozwa ngo. Le diable dit je m'en pars. Parce que omonité a beta ki libanga deux fois. Tu ne vois pas qu'il a frappé le rocher deux fois. Il a aussi désobéi. Azanga ki pebotos. Moi, je les récupère. Michael dit, toi, yo, toi, tu ne crains pas Dieu. Oui, mais que Moussa wa na za mopona. Ne sais-tu pas que ce Moïse était élu? C'est une affaire entre père et fils. Et mopona mina moponi. Ça concerne l'élu et l'électeur. Oui, mais il est mort. Ne sais-tu pas qui est mort? Mais il est mort pour ça. Tout ce pays ici. Manso makofuta makawa. Belobi akokota te na kana. Pourquoi Dieu a dit qu'il n'entrerait pas? Il verra seulement Canaan.
C'est le châtiment de cette faute-là. Et l'histoire de cette affaire est déjà clôturée. Ce n'est pas pour que Yake Nebongo, Omema Yekuna, et c'est qu'il y a C'est pas pour que tu l'amènes là où tu as ici. Je viens le récupérer. Sache que moi, je ne blague pas, je suis Michael. Chef d'état-major de l'armée céleste. Mokonzi Mampinga ya Lola. Et c'est le même Michael. C'est Michael Mokomokoyo. Où tu vois mon anna 1 Thessaloniciens chapitre 4. Il y a trois choses. Ils ont mis comme ça tout. Lors du retour de Jésus. N'entendons pas besoin de Jésus Christ. Qui se feront. Oui, Kosalema. Bien comme ça tout, Kosalema. La première des choses. Et le quoi, les bossos? C'est le cri de commandement. Le cri de réveil. Pour réveiller les saints du Nouveau Testament. Qui dorment en Christ. Et c'est le cri de Jésus. Dans Jean 11. A dit à ses disciples dans Jean 11. Mon ami Lazare. Dors. Et je veux le réveiller. Il y a un cri de réveil pour toutes les vieilles dans leur sommeil spirituel. C'est le message biblique du temps de la fin. Et il y a aussi un autre cri de réveil qui ne concerne que les élus qui dorment en Christ, qui sont décédés. S'écrira, écoutez la terre, les vierges fortes. Ne concernera pas les vierges fortes. Les vierges, ceux qui sont au loba sages, ceux qui sont au loba. On peut dire, cela ne concernera que les vierges. On peut dire, si on peut dire, ça ne concernera pas. Des élus, ceux qui sont morts. Il y a l'Ancien Testament, mais il y a le Nouveau Testament. Parce qu'il y a l'Ancien Testament, parce que nous avons un cri. Ils avaient leur cri à eux. Il poussa, il cria d'un grand cri. Eli, 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 Lamasabaktani. Lamasabaktani. C'était avec ce cri-là. Que la terre fit trembler. Était ma belle maninganaki. Des rochers se fendirent. Ma banga ma pasokaki. Les sépulcres s'ouvrirent. Malita ma fungwa maki. Accomplissa sa parole. Koko kisa kalilobaliaye. J'ouvrirai vos sépulcres. Nako fongola malita mabino. Je vous ferai sortir de vos sépulcres. Nako bimisabino ta malita mabino. Et je vous ramènerai. Fena kozongi sabino. Dans votre pays. Katine kolona bino. Dans le pays d'Israël. Katina mboka Israélé. Vous êtes partis. Nuana. Mais je vous ramènerai. Katina kozongi sabino. La mort vous a fait partir. Mais par la résurrection, je vous ramènerai. C'est pourquoi lors du retour de Jésus-Christ, frère, ce cri se fait de commandement qui ne concerne que les morts en Christ et se fait entendre. Le Seigneur criera tel qu'il avait crié devant ce sépulcre de Lazare. Il criera et les morts en Christ ressusciteront. C'est comme cela que nous croyons. Les morts en Christ. Bakufi katina pas Christo. Tous les morts. Bakufi ben sauté. Mais les morts en Christ. Kasi bobele bakufi katina Christo. Ressusciteront premier. Bakose kwa liboso. Pas les appelés de l'église. Babian ami église yate. Non. Te. Voyez frère. Moni bandeko. Comme par ce même cri. Koganga moko moko wana. À sa résurrection. Nani se kwa na ye. Boyo babimaka. Ceux qui étaient sortis. Ceux qui s'étaient réveillés, quand ils s'étaient criés ces jours-là, une partie de morts, une partie de croyants, c'était seulement les saints, et non pas les appelés. Les appelés n'étaient pas ressuscités. Les appelés ne sont pas revenus ici, sur la terre d'Israël.
Kaka épouse wana, parti wana épouse. Seulement cette partie-là de l'épouse. Bangonde balamukaki. C'est celle qui s'était réveillée. Omone. Voyez-vous. Bangonde babima kutana bankunda. C'est eux qui étaient sortis de leur sépulcre. Bangonde bashekwaki. C'est eux qui étaient ressuscités. Pesi manalise kwa nankolo. Et après la résurrection du Seigneur. Nankolo mwalomingo. Ce dimanche-là. Bangope babima. Eux aussi sont sortis. À sa suite. Lisi manaye. Et soit magiba santo bazobima. Il se trouvait des saints qui sortaient. Alléluia. Amen. Mais ne vous faites pas des soucis. Kasi bomitungi sate. Bonko d'autres croyants de l'Ancien Testament. Basu ba ndimi basu. Qui était mort. Ba bakufa ki. Et qui était aussi dans le paradis sous la terre. Bazon ba katina paradis on asema belé. Bango siko bazawa. Mais où se trouve-t-il là? Le paradis sous la terre a été supprimé. Kasi paradis on asema belé longola maki. Alors kuneza kalisu na mototé po mboko ango balongola. Il n'y a plus personne là-bas. Parti ango ese longwa. Cette partie a déjà été supprimée. Bango siko bango bazawa. Mais où sont-ils alors? Sikoyo. Ba me mama na paradis céleste. Ils ont été amenés au paradis céleste. Mais bah c'est quoi t'es? Mais ils ne sont pas ressuscités. Quand on est en abango, on a théophanie. Seulement dans leur état de théophanie. Ne bah mes mamans bah qu'elles ne gouvernent n'endé na likolo. Ils ont été amenés. Allons guanacer à ma belle. Ils quittent sous la terre. Mais bah c'est quoi n'a noté? Mais ils ne sont pas encore ressuscités. Policier quoi y a bah appelé? Parce que la résurrection des appelés. Les akamoko. C'est une seule. Et qu'on a amené un jugement dernier. Ça sera au jugement dernier. Tous les appelés bah qu'on sait quoi ne wana. Tous les appelés ressusciteront là. Et ça va appeler ancien. Ça sera bien gagné à mon père à nouveau test. Mon père à boire quand il voit Sika. Bah, cause de la dévale de trône blanc. Bah, cause de mon bosson quand il y a un pembe. Mais bon, bah, c'est quoi qui m'a le monde, hein? Mais ceux qui sont ressuscités ces jours-là. Bassin. Bobé le Bassanto. Bah, Eli. Bah, bon ami. Ceux qui ressusciteront le jour où le Seigneur viendra. Kaka ba saint. Obele ba santo. Ba Eli. Ba bon ami. Mais ba appelé au bazon di mana mangomba. Mais les appelés qui croient dans les églises. Nous ne refusons pas. Ils ont la vie éternelle. Ils sont aussi enfants de Dieu. Ils peuvent aussi recevoir l'esprit d'adoption. Ça, on ne refuse pas. Mais le sceau du Saint-Esprit. Ils ne pourront jamais l'avoir. Nous, c'est de cette façon-là que nous croyons. Le jour où le Seigneur reviendra, eux ne ressusciteront pas. Mais moi, c'est tout une balai. D'autres morts. Il est dit clairement, Bakoufi Basoussou. Bakoufi qu'on ressuscité, ne peut pas ressusciter. Avant 1000 ans. Libosambou la koto. Yangoyo. Mais ça se trouve ici. Yangoyo. C'est ici. Verset 5. Mulungwa mitano. Les autres morts. Bakufi basusu. Ne reverrent point à la vie. Bazonga kiswa mokete na bomoi. Jusqu'à ce que le mila soit accompli. Kino etembula kote kosila koko kisama. Jusqu'à ce que le mila soit accompli. Kino etembula kote kosila koko kisama. Kino bobele etembula koto isila na koko kisama. Jusqu'à ce que le mila soit accompli. Point. 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 Décile. Les autres morts ne reverrent point à la vie. Mais jusqu'à quand? Mais jusqu'à ce que le mille ans soit accompli. Pema. Ekosila koko kisama. Pema. Soit accompli. Pema. Po bati point. Même la lecture, pema. Ozoa moi souffle. Nazozongela. Les autres morts ne reverrent point à la vie jusqu'à ce que le mila soit accompli. Voilà. Voilà. On va vite. Alors, tu sais quoi, Wana et Zanine? Alors, c'est quoi cette résurrection-là? C'est la première résurrection. Et Zanine, c'est quoi, Liboso? Et si nous avons la première résurrection? Zambito, Jules, c'est quoi, Liboso? Il y en a aussi la deuxième résurrection. Et Zanine, c'est quoi, Mibale?
Alors il faut ezana ba mort. Yisi ezana ba wa. Ba za destiny na ba resurrection ina. Ba batalele mi ba lise kwa mi bale wana. Les élus, ma bon ami, disait quoi Liboso et Zaponaba. La première résurrection est à eux. Les appeler, ma bien ami, disait quoi Mibale Ponaba. La deuxième résurrection les concerne. Nous, c'est comme cela que nous croyons. Bienheureux, papa Mbouami, et saint, ceux qui ont pas à la première résurrection. Quoi Liboso. Ce sont les bénis. Il y a une béatitude pour eux. Béatitude, La béatitude est prononcée sur celui qui lit. Bienheureux celui qui lit. C'est aussi une béatitude. Celui qui entend. C'est aussi une béatitude. Et celui qui garde les choses qui sont écrites. C'est comme cela que nous croyons. Voyez-vous? Mais ils seront. Parce que la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. La mort de l'âme. Aujourd'hui, il y a des gens qui prêchent. Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, avaient la vie éternelle. C'est faux. Et encore archi faux. Non. Qui leur avait donné la vie éternelle? Parce que c'est lui seul qui possède l'immortalité. Il est le donateur de la vie éternelle. Lui seul possède l'immortalité. Et son nom est la vie. La vie éternelle qui nous a été manifestée. Ici sur la terre. La vie éternelle a été faite chair. On lui a donné un nom humain. Jésus. Yesu. Jésus. Yesu. Qui est le nom du Père. Le Fils de Dieu est venu. Il nous a donné l'intelligence. Pour connaître. Le véritable. Et nous sommes dans le véritable. Pas ailleurs. Nous sommes dans le véritable. En son fils. Jésus-Christ. C'est lui. Yende. Et lui seul. Qui est la vie éternelle. Et le Dieu véritable. Ou le Dieu véritable. Et la vie éternelle. Nous croyons au témoignage de Dieu. Dieu est grand. Et son témoignage est aussi grand. Et voici ce témoignage. Dieu nous a donné la vie éternelle. Nous pouvons dire que nous l'avons. Parce qu'il nous l'a donné. La vie éternelle, c'est qu'il te connaît. Toi, le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Père, Tata. Selon le pouvoir que tu m'as donné à accorder la vie éternelle à tout ce que tu m'as donné. Et Dieu nous a donné la vie éternelle. Et cette vie éternelle est dans son fils. Pas ailleurs, pas dans une dénomination, pas dans un prédicateur, non plus dans un prophète, non, mais dans son fils. Non pas dans un fils, mais dans son fils, dans le fils de Dieu. Celui qui a le fils a la vie éternelle. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a point la vie. Il ne verra même point la vie. Mais la colère de Dieu, au contraire, est suspendue sur lui.
prêt à être déversé. Mais à nous, Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Mais à la possession du salut, de la vie éternelle, par notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous pouvons dire que nous la possédons. Parce qu'il nous dit, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez, pas vous aurez, mais que vous avez la vie éternelle. Vous chers, qui croyez au nom du Fils de Dieu, vous avez la vie éternelle. Et en déjà la vie éternelle, vous êtes né de nouveau. Car à tous ceux qui l'ont reçu et qui croyaient en lui, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Nous qui étions enfants d'hommes, il nous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et nous le sommes. C'est l'amour du Père. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Tout le monde ne nous connaît point. Ça, ce n'est pas un problème. Le même monde ne l'a point connu quand il a été fait cher ici. Ne l'a point connu. Il a dit lui-même, si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père. Mais de maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Nous le connaissons parce qu'il s'est fait connaître à nous. Mais cela est sa contrainte. C'est le grand mystère de tous les mystères. L'invisible est devenu visible. L'intouchable est devenu touchable. L'immortel est devenu mortel. Voyez-vous cela? Dites amen. Amen. À haute voix. Amen. Nous, c'est comme cela que nous croyons. La parole de Dieu, elle est merveilleuse. C'est Dieu qui a été manifesté en chair. Par le mot Dieu, vous comprendrez qu'en hébreu, c'est Elohim. C'est le grand esprit invisible, l'esprit créateur, l'esprit éternel, qui a pris un corps de chair et qui s'est laissé voir, même toucher. Celui qui les séraphins couvraient leurs yeux, leur visage, afin de ne pas le voir. Les anges l'ont vu. Les hommes l'ont touché. Voyez-vous cela? Amen. Nous, c'est de cette façon-là que nous croyons. Et nous l'avons. Il habite dans nos cœurs par la foi. Oui, frère. C'est de cette façon-là. Bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu, le bon Dieu, voyez-vous, il t'a donc justifié par la foi. Nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Il est le roi de Salem. C'est-à-dire le roi de la paix. C'est pourquoi il nous a donné sa paix. Je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Je suis différent du monde. Dans le monde, vous aurez des tribulations. Mais à moi, la paix, la sécurité, la protection, seulement à moi. Et je suis la parole. Et si vous demeurez à moi, et que mes paroles demeurent en vous, si vous habitez à moi, moi qui suis la parole du Père, je suis la parole du Père. Moi et le Père sommes un. Père, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Et je suis la vérité. C'est-à-dire, je suis ta parole.
Bien-aimés dans le Seigneur, notre Dieu, le bon Dieu, et nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Il est notre Salem, notre paix. C'est lui. C'est bien lui qui est venu. Mais regardez ce qu'il avait fait. Oh, enfant de Dieu, la parole de Dieu est une puissance, la puissance transformatrice. La parole de Dieu est la puissance. Voyez, si nous lisons ici, na Isaïe 57, na Isaïe atukumita nona sambo. Il dit Alobi, au verset 18, « Je vis ses voies, je les guérirai. » Et nous pouvons dire, il nous a guéris. « Je lui servirai, te guide. » Et il l'est. C'est lui qui nous guide. Notre dirigeant, notre consolateur. Je mettrai la louange sur les lèvres. Et nous le louons. Nous l'exaltons. Nous le chantons. Nous louons son nom. Nous louons son nom. Sa puissance, sa grâce. Amen. Amen. Paix. Kimia. Paix à celui qui est loin. Kimia pa zali musika. Et à celui qui est près. Paix pa zali pene. Di Yahweh. Elobi Yahweh. Il dit paix. Alobi kimia. Paix Kimia à celui qui est loin et pas Zali Mosika et aussi à celui qui est près. Paix pas Zali Pene. Voyez. Bomoni. Et il conclut. Akutoli. Je les guérirai. Nakobi Kisabango. Et il nous a guéris. Paix à Bikisa Kibiso. Il nous a sauvés. À Bikisa Kibiso. Amen. Amen. Oui, frère. Yo bandeko. Soyez doyé en Éphésiens. Si nous venons dans Éphésiens. Pour la guagua. Pour faire les ponts. Namakomi maetouti kotanga. Avec les écritures que nous venons de lire. Éphésiens. Bah Éphèse. Totangi boy. Nous lisons ceci. Balingami banabanza. Bien-aimés enfants de Dieu. Dilo banza melisa kitoko boy. La parole de Dieu est vraiment succulente. Pourquoi? Ésaïe chapitre 2. Et ça, mon capon. Non, Éphésiens chapitre 2. Bah, Éphésiens, mon capon. Au verset 14. Si tu commences un peu. Ata awana verset 13. Namulongo mazomina misa. Mais maintenant. Kasi sa saipi. En Jésus-Christ. Kati na Yesu Christo. Vous qui étiez jadis éloigné. Bino bozalaka kala mosika. Donc loin. Mosika. Paix, Kimia, paix, Kimia, à celui qui est près, et à celui qui est loin, qui est éloigné. Mais il nous montre, il dit, mais maintenant, en Jésus-Christ, païens, mais en Jésus-Christ, vous païens, vous gentils, qui étiez jadis loin, éloigné. Vous avez été rapproché. Vous avez été rapproché par le sang de Christ. Car il est notre paix. Christ est notre paix. Lui qui de deux n'en a fait qu'un. Et qui a renversé le mur de séparation, d'inimitié. Et ainsi de suite. Au verset 17, il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin. Et la même paix à ceux qui étaient prêts. Ceux qui étaient prêts, ce sont des Juifs. Ceux qui étaient éloignés, c'est nous. Et nous avons tous la même paix.
avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Oh, enfant de Dieu, ce Dieu est bon. Ah non, c'est avec raison que nous l'aimons. Bien-aimé, l'heure est fort avancée. La foi. Il faut combattre pour la foi. La foi des Écritures. Que toute chose soit prêchée comme c'est écrit. Que ça soit cru comme c'est écrit. Que ça soit obéi comme c'est écrit. Que ça soit vécu comme c'est écrit. Nous combattons pour cette foi-là. Ce n'est pas pour la foi des Branhamistes. Pas la foi des Franquistes. Mais comme le disent les Écritures. La foi biblique. La Biblia. C'est pour elle que nous combattons. Levons-nous un peu. Totelema muke. Levons-nous. Totelema. Louons un peu le Seigneur. Okumisama muke nkolo. Chantons en son honneur. Toyemba pendant lokumunaye. Et prions. Et tobondela. Prions chacun de nous. Tobondela mokona. Prions. Tobondela. Prions. Tobondela. Fermons nos yeux. Et prions. Tokanga miso pe tobondela. Tobondela. Oh, Yonde, c'est toi. Mosuzoazate. Il n'y en a point d'autre. Koba. Continue. Bwende toseng. C'est comme ça que nous demandons. Na kombo ankona biso Yesu. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Togogovan. Pouvons-nous rasseoir? Yesu azaki mia na biso. Jésus est notre épée. C'est lui qui est venu nous annoncer la paix. Et ceux qui reçoivent son message, ce sont les enfants de paix. Parce que notre Dieu est un Dieu de paix. Ses enfants sont enfants de paix. Et par la foi. Et aujourd'hui, dans la Kondima, nous avons la paix. Aussi le Kozoa Kimiango. D'avec Dieu. Et l'ongo nanzambe. Plus de problèmes. Plus de procès. Kosambe zali sous soute. Nous avons la paix. Tosi tozui kimia. Nous sommes déjà réconciliés. Nous sommes déjà réconciliés avec Dieu. Et les lieux de la réconciliation. Pesika bozongi na bondeko. C'est
C'était en Christ. Nous, c'est de cette façon-là que nous croyons. Et bien aimé dans le Seigneur, c'est la vérité. Jésus-Christ, Jésus-Christ, notre paix. Jésus-Christ, Jésus-Christ, notre Seigneur. Et aussi notre Dieu. Il a été fait tout pour nous. Il est ma sagesse. Azali bwanyangai. Mon intelligence. Mayele nangai. Ma vie. Bomo ibwangai. Mon salut. Lobiko nangai. Ma résurrection. Lise ko liangai. Même ma rédemption. Atalisi ko nangai. Ma sainteté. Boule nangai. Il a été fait tout. Ya salama kimanso ponangai ponangai nyos pour nous ponabis pour les siens pour les élus pour les prédestinés pour bonki samili boso balinga bigate dans kolo bien aimé dans le Seigneur awa ici na Jude na Yuda tokola dodai gotang comme nous venons de le lire ya solo penza c'est vraiment vrai. L'archange Michael, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre le diable un jugement injurieux. Mais il dit que le Seigneur te réprime. Pas moi, mais que le Seigneur lui-même te réprime. Nous n'avons rien à juger quelqu'un. Le juste juge est là. Mosambi le juge suprême est là. Celui qui jugera chacun. Mais avec équité. Avec équité. Avec équité. Avec justice. Nous, c'est comme cela que nous croyons. Et na contestation, na dispute, dans cette dispute ici, c'est là qu'il y a les le corps de Moïse. Et c'est là qui a enlevé. Et parce que ton monde, Moïse. Car nous voyons Moïse. A cocher quoi ne ressuscite pas. Pour répondre à une invitation, la montagne à transfiguration. Mais a coquitande na lola. Moïse descend du ciel. Montagne à l'icolo. Du ciel. Et l'ongona momatimosus. Avec quelqu'un d'autre qui était monté. Yewana Elia. Lui c'est Eli. Bautakinde na lola. Il venait du ciel. Est-ce que c'est clair? C'est de cette façon-là que nous croyons. Enfant de Dieu. C'est Jude ici. Il dit au verset 1. Serviteur de Jésus-Christ. Moselle sous Christ. Et frère de Jacques. Mais c'est le même Jude. Mon et Marie et Joseph. Le fils de Marie et Joseph. Mais lié na yé charnel na notre Seigneur. Mais son lien charnel avec notre Seigneur. Il ne cite pas ça. Comme aujourd'hui les gens veulent se glorifier. Mais c'est le neveu du pasteur. C'est lui le fils du prophète. Un petit frère na yé. Mais c'est son petit frère. Mais qu'est-ce que ça fait? Et ça l'inine. Les gens comme ceux-ci qui ont reçu la grâce devant Dieu. Lui avec notre Seigneur. Séjourne dans le même ventre, dans la même matrice. Ils ont séjourné dans le même ventre, dans la même matrice. Voyez, frère. Mon bande. Mais quand il est écrit au croyant, il ne veut pas leur montrer son attachement avec le Seigneur. Pour avoir une emprise sur les croyants. Il y a l'équipe Pierre. Tu sais pas, il est plus que Pierre. Parce qu'il y a sa petit frère. Lui, c'est son petit frère propre. Ou demi-frère. Demi-frère Naïe. Mais il dit, Kassia Lobby,
frère de Jacques. Ndeko ya Jacques. Sans mentionner Jésus. Azangi kotanga Yesu. Dit tout simplement frère de Jacques. Parce qu'avec Jacques. Potena Jacques. Bazaki même père même mère. Bazaki tata moko na mama moko. Mais avec Jésus. Kashina Yesu. Bazaki ni même père ni même mère. Bazaki teza la tata moko ezala mama moko te. S'il vous plaît. Na sengi na bino. Ni même père ni même mère. Tata moko te mama moko te. Parce que Jésus. Jambi Yesu. Et le seul fils engendré de Dieu. Mwana moko kabota maki na nzambe. Et le sang. Azali makila. Et na makila. Et le sang. Que ce soit le sang. Que ce soit l'œuf. Nous sommes qui créés dans Zambé. Nous sommes la makina Zambé. Tout était créé par Dieu. Aucune goutte du sang. Dit ton attend mon côté makila. Israël à Maria. Que ce soit celle de Marie. Israël à Joseph. Écoutez ma naveine et à Jésus. Ne s'était trouvé dans le vin de Jésus. Naveine et Emmanuel. Na misses Emmanuel. Ezraki, un sang divin. Ezraki, makila ya un Zambé. Sang saint. Makila Monsanto. Créé. Mokeli. Et dans ce sang-là, se trouvait la vie. Ezraki, bon, yango. La vie qui était dans le sang. Bon, Ezraki, katina, makila. Qui devait revenir sur l'adorateur. Ezraki, en tant que l'esprit d'adoption. Adoption. Croyez-vous cela? Mango. Et pour finir, en tant que le son divin. Le mango na Zambé. Chaque chose a sa place. Et lokone, lokone, sikana yango. Balinga mikati nako. Bien aimé dans le Seigneur. Zambé na biso za Zambé mala. Notre Dieu, le bon Dieu. Et il dit ceci. Alors, vous voyez. J'écris à ceux qui ont été appelés. Nako komela baye babianga maki. Appelé. Babianga maki. Nous sommes aussi les appelés. Tozali mpe babianga mi. Nous. Biso. Qui sommes élus. Biso baye tozaba ponami. Par l'amour de Dieu. Na bolingo banzambe. L'élection par la grâce. Ma ponami nangolu. Et non pas par les œuvres. Kasi nzela misalate. Il nous a aussi appelés. Abianga ki biso mpe lokola. Mais il t'a appelé. Mais gardé. Pour Jésus-Christ. Pour Jésus-Christ. Omoni at ngayoyo. Oui, mon fasi, moi ici. Nazoaka baptême liboso par immersion et pas ya mission. J'ai reçu mon premier baptême par immersion chez les protestants. Nakota na binjambi njambi ya ndenge na ndenge. Je suis entré dans toutes sortes d'églises, de dénominations. Ba groupe de prière. Des groupes de prière. Voyez frère. Omoni bandeko. J'ai prié ici à Bandal. J'ai prié à Lemba. Terminus. À Lemba Terminus. J'ai prié à Lemba, Lemba Intendance. En ce temps-là. Dekonangai Pascal Mukuna. Mon frère Pascal Mukuna. Qui est évêque aujourd'hui. Voyez frère. Mon Ibandeko. Qui nous a, il nous a laissé Nakatia ya. Fraternité à ma frère. Il nous a laissé dans il la fraternité. Il est devenu évêque. À quoi, un évêque. Grand homme aujourd'hui. À quoi, il s'assied encore sur les bancs et écoutait les prédications. Les gens blaguent avec les dons. J'ai un tel don. Nous avons expérimenté ces choses-là. Dieu nous a fait passer par là. On connaît ça beaucoup. On connaît ça très bien. Tu ne vas pas nous tromper. Par la grâce de Dieu. N'angolo yanzambe. Parce que un conducteur du peuple, Mokambi Alibota, a signalé d'abord il est beaucoup expérimenté Makambo. Lui-même doit d'abord expérimenter les choses. Comme ça Makambo il a ça n'a une expérience. Comme ça les choses dont il a l'expérience. Il va conduire le peuple. Il saura alors conduire le peuple. Sinon, à cause de toujours surpris. À cause banda aussi tout caca. Les événements qu'on coupe dans nos balades. Les événements auxquels il fera face en route. Nous c'est comme cela que nous croyons. Vous nous voyez nous sommes câbles mais. Quand on va prétendre qu'on soit ceci et cela. Quand on va couper ta tolo, on a zubo et n'importe quoi. Moi, l'objet à ça n'a discerné, non, il a discerné. Moi, on a besoin cela, besoin cela. Même justement des pensées du cœur. Qui n'a besoin cela, ma canisa motema. Il y ment les autres. Ah, coco ça va susu. Parce que c'est un don unique. Jamais, ezali kabo moko kak. Yandenge nango moko. Et salama. Il s'est opéré frère Branham. Parce que Zaki promesse. Ça s'est arrêté. Personne d'autre ne peut l'avoir. Parce que Balobino, Toza Nato, il y a discernement des esprits. Toza Likabo, c'est la milimo. Mais vous n'avez même pas la parole de Dieu. Vous discernez l'esprit comment? Comment vas-tu discerner les esprits?
Parce que le la machine attestée de Dieu, c'est la Bible. Vous ne connaissez même pas la Bible. Vous qui prêchez cet honneur, vous ne croyez même pas à la machine de Dieu. Mais vous prétendez avoir le discernement des esprits. C'est don là. C'est faux et archi faux. Voyez-vous? Toutes choses doivent être prises et être jetées dans le tamis. Le tamis est ici, c'est la Bible. Et c'est comme ça. Si nous avons demandé bongo, c'est comme ça que nous croyons. C'est la machine attestée de Dieu. Des machines Dieu respecte. C'est borne. Placé par lui-même. Ma borne et écriture, yende à Sila Kotia. Les bornes des écritures, c'est lui-même qui les a placées. Le géomètre, c'est lui-même. Géomètre, Zali et Moko. Les écritures. Ma commis. Géomètre Dieu. Le géomètre Dieu. A placé des bornes. Atia, tia, bandelo. Il ne faut pas aller au-delà de ce qui est écrit. N'engue komama. Et lui-même, quand il opère, quand il travaille, il n'agit jamais au-delà. Des bornes. Il respecte toujours les écritures. Il est celui qui opère toutes choses selon le conseil de sa volonté. Selon sa parole écrite et selon sa parole révélée. Amen. Amen. Et tous seront enseignés de Dieu. Mais Dieu est notre enseignant. Mais qui saurait enseigner comme lui? Personne. Mon côté. Mais mes frères Franck. Attendez que Franck. Ne peut enseigner comme Dieu. Paul n'a jamais enseigné comme Paul Dieu. Dieu est l'enseignant. Et la Bible est son livre de leçons. La Bible est beaucoup en matière. Le livre de la vérité. Dieu en tant que docteur. Le Saint-Esprit. Quand il nous enseigne. Son enseignement est selon les Écritures. Regardez quand tu es devenu homme. Dans Jean chapitre 10, chapitre 7. Il est devenu Jésus-Christ. La révélation du mystère de Dieu. Jésus-Christ. Le dévoilement du mystère de Dieu. Regardez comment il a enseigné. Il a enseigné toujours avec les Écritures. Et Paul dit dans 2 Timothée 3, au verset 16, toute Écriture est inspirée de Dieu. Et voici son utilité pour enseigner. On n'enseigne pas avec des lettres circulaires. On n'enseigne pas avec des citations de brochures. Nous pouvons nous référer de tout cela. Mais, référence. Voyez, l'absolu, c'est la Bible. C'est la Bible. Tout ce que Frère Branham nous a enseigné, tout ce qu'il nous a prêché, il faut le ramener ici et le placer dans les Écritures. Tout ce que Frère Frank nous enseigne, cet aigle allemand, voyez frère, tout ce qu'il nous enseigne, il faut Ezalawa doit être ici la Biblia. Dans la Bible. Le message est biblique. C'est Biblia. En résumé, c'est quoi? Il y a beaucoup de ce message de l'heure. Les c'est de revenir à la Bible. La Biblia. C'est de revenir au commencement. C'est de revenir à ce qui est écrit. Ils ont et de recevoir le Saint-Esprit. D'être scellé du sceau divin. Et ce sceau-là, c'est jusqu'au jour de la rédemption. Et frère, nous ne devons pas croire les choses n'importe quoi, n'importe comment. Si nous voulons savoir ce que Dieu a dit à chaque âge de l'Église, il y en a sept. Nous devons lire
chapitre 2 Apocalypse. Mokapami balé monseli. Chapitre 3. Na mokapami satu. Écrit à l'ange. Comme la moange. Qui est à l'église. Oh, azami l'église. Qui est à Éphèse. À l'église d'Éphèse. Na lingomba Éphèse. À l'ange de l'église de Smyrne. Na moange lingomba Smyrne. Nyonso wana. Autant à kaka verset mon côté. Tu ne lis pas un seul verset. Mais il faut continuer. Ce n'est le copa. Na ba verset nyonso. Dans tous les versets. Ils sont écrits dans cette lettre-là. Parce que la lettre en question ne s'arrête pas seulement au verset qui parle de l'âge. Les choses continuent. Tu termines à lire ça. Tu lis les deuxièmes âges. Leurs lettres. Tu t'arrêtes pas seulement à l'âge. Lis tout ce que le Seigneur leur a écrit. Afin que tu saches ce qu'il leur a écrit. Jusqu'à l'âge de l'Odyssée. Ne t'arrête pas seulement à l'âge de l'Odyssée. Lis toute la lettre. On lit pas une lettre. Seulement son en tête. Ah, monsieur et Joseph Lilanga. Et tu t'arrêtes. Et tout ce qui reste là-bas, tu ne lis pas ça. Oh. Non, mais il faut continuer. C'est le combat. C'est de la même manière. Quand nous arrivons au saut, tous les sauts sont sept. Et tant qu'on a brisé, tant qu'on a brisé, ils ont scellé les livres. Tant qu'on a brisé, ils ont brisé, tant qu'on a livre est comme ouvert, tant qu'on a fongé, le mystère où ils ont écrit, ils ont dit dans chaque saut, doivent être lus dans chaque saut. Tu ouvres le premier saut, tu ouvres le premier saut, kosukate kaka na premier verset. Ne t'arrête pas seulement au premier verset. Quand il ouvre le premier saut, dans fongola kele mbalibo saut, j'entendis comme une voix lokola mongongo qui parlait d'un être vivant. Yaka une voix pemona yo sukri kaka wana. Tu t'arrêtes, mais il faut tanga makambo elandi na sima. Tu dois lire la suite. Au combien le deuxième saut, dingue moko de même. Dans le troisième saut, dingue moko. De même. Et dans le quatrième saut, dingue moko. Cinquième saut, dingue moko. Sixième saut, dingue moko. Et tant qu'on commence à septième saut, premier saut, Ézana chapitre 6. Et tous les sauts, au nombre de 6, Ibandi, dans le chapitre 6, Kino, Mobimba Nango. Son entièreté. Tant que tu as commis dans le chapitre 7, quelque chose saute là. Et ça, deux troupes à bateau. 244 000 qui seront scellés. Et la grande foule qui vient de la grande tribulation. Et ensuite, Nassima, tu as commis dans le chapitre 8. Septième saut. Et l'embo ya sambo. Et septième saut, quoi qu'on soit quand on a versé un tel. Le septième saut, tu t'arrêtes pas au verset premier seulement. Mine de baso, parce que frère Branham a dit. Le septième saut. Et l'embo ya sambo. N'a qu'un seul verset. Et jusqu'à Molongo Moka. Non. T'es. Lui-même avait dit le septième saut. Et l'embo ya sambo. C'est comme une fusée. Et ça, le col a fusé. Qu'on lance. Au babouak. C'est comme une fusée. Et ça, le col a fusé. Qu'on lance. Au babouak. Fusée, tant que vous lancez, quand le fusée lancé, tant yango, eko kende. Quand il s'en va, voyez frère, omoni bandeko. Fusée, balancez yango. Le fusée on lance, omoni go. Voyez, c'est yango la vitesse, ils ont kende, ils ont mata. Il monte, il monte. Donc, on a quelques minutes après, quelques minutes, quelque chose, et Mathilde Soussou, il monte encore. Pas pour longtemps, une autre partie se détache. Une autre partie se détache. C'est la même chose avec le septième saut. L'ingé mon connaît l'emboya sambo. C'est la même chose. C'est la leçon de la fin de toutes choses. Et vous verrez qu'avec le septième saut, le septième saut met fait saut, met fait des âges, met fait de la grâce, met fait de ceci et de cela, met fait, met fait, met fait, met fait, met fait. Amen. Amen. Est-ce que ça pour les est-ce que c'est clair? Continue à septième saut. Vous allez voir qu'à verset 1, il y a 2001
merde, il y a silence dans le ciel. Mais pourtant, on appelle verset 2. Tu dois lire aussi le verset 2. Deuxième verset, pourtant, tu dois lire le deuxième verset jusqu'au bout. Nous sommes dans le 4 et le 7e saut. Tout cela se trouve dans le 2, le 7e saut. Nous, c'est comme cela que nous croyons. Nous ne voulons point des interprétations. Nous voulons ce qui est écrit. Si nous avons la révélation, nous devons aussi prêcher la parole révélée. La parole révélée. Et croire à cette parole. Sur la création tout entière. Attends avec un ardent désir. La révélation des fils ou des enfants de Dieu. Aujourd'hui, nous-mêmes, nous avons la révélation de Jésus. Et bientôt là, nous-mêmes, nous serons révélés. Et c'est cette révélation-là de la gloire des enfants de Dieu. La création attend avec un ardent désir. Comme on dit, frère, voyez-vous, frère, c'est comme cela que nous croyons. Il faut que nous ayons la parole révélée dans nos cœurs. Et nous la mettions en pratique. Nous la prêchons telle qu'elle est écrite et telle que Dieu l'a révélée. Et l'accepter en tant que telle. Et cette parole révélée dans nos cœurs finalement débouchera à notre révélation. Se révélera dans nos corps. Oui, frère. C'est de cette façon-là que nous croyons. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu est merveilleuse. Vous avez vu que l'épouse est que la parole. Et la parole. Et l'épouse. La Seigneur Azalapé, la parole. Doit être aussi la parole. L'époux est la Bible. L'épouse est voie comme la Bible. L'épouse est biblique. L'épouse est parole de Dieu. Et non pas l'épouse interprétation. Mais l'épouse est parole originale. Et originelle. Pas une interprétation. Nous sommes différents de Caïn. Caïn était un produit de l'interprétation. Caïn est un bouma et un dimbola. Voyez frère. Nous sommes aussi différents. Voyez frère. D'Ismaël et d'autres terres. C'est comme un produit et une interprétation. Lokola mbuma et un dimbola. Nous sommes différents. Voyez frère, Balaam, de Balaam, c'est une perversion de la parole originale. Différent d'Anania, le prophète. Il était une perversion de la parole originale. Il n'était qu'une interprétation. Il était différent de Jérémie. Balaam a été différent de Moïse. Balaam a été différent de Moïse. Comment dit frère? Voyez-vous, frère? Nous, c'est de cette façon-là que nous croyons. Nous naissons de la vérité de Dieu. Sa parole et sa semence. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de la vérité. Afin que nous soyons en quelque sorte des prémices de ces créatures. Et en tant que des prémices de ces créatures, nous avons aussi les prémices de l'esprit. Et nous gémissons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la résurrection de nos corps, la rédemption de nos corps mortels, mais avec nous, les arts, les prémices de l'esprit, parce que nous-mêmes, nous sommes des prémices de ces créatures, et nous avons reçu les prémices de l'esprit, et nous attendons, parce que nous formons l'église des premiers-nés, l'assemblée des premiers-nés, et Jésus-Christ est l'aîné des premiers-nés.
Amen. Amen. Et avec cela, Nango, Dieu nous a prédestinés à être semblable à l'image de son fils. Dieu du ciel a aimé l'image. Il a aussi aimé l'image. Et il a aussi aimé la ressemblance. Regardez au commencement. Dieu dit, créons ou faisons l'homme à notre image. Et qu'il soit selon notre ressemblance. Genèse 1er, verset 6. Faisons l'homme. Dieu s'adressait à nous, là, biso wana, na ba attribut na ye. À ses attributs. Ya bongo te. C'est pas ça. Toi, tu as des attributs. Quel jour tu t'es adressé à tes attributs? C'est pas ça. Ba trinitaire balobi. Les trinitaires disent. Non. Ya ba tribu na yete. Ce sont pas ses attributs. Il s'adressait au Saint-Esprit na fils. Ne limo santo pe pai na mwana. C'est faux. Lokuta. Mais au côté la bière. Mais tu verras bien. Mais il y a trois dieux. Ils ont fabriqué. Alors, base nango yangoyo. La base est. Parce que Dieu a dit. Faisons l'homme à notre. Tous salamoto nae. Donc, à Zalagwana. Il était là. Zalagwana, Dieu le Père. Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Il y a le couta. Mensonge. Les noms ou les mots même Trinité. Comment la Trinité? Et comment matamba la mokote na Bible? Ne triquez aucune fois dans la Bible. Et Zalagate. Il n'y en a pas. Et où t'as l'enfer? Ça vient de l'enfer, ça. Et une église et à Satan. Et une église et à Satan. Et bien ami catholique et à l'eau. Et bien ami catholique romaine. Oui, Zali, repère des oiseaux impurs. Et bombe le abandé qui a mis. Il y a tous les démons. Il y a Milouma Benyon. Parce qu'on s'est réfugié en Dekuna. Bako qui m'a Dekuna. Bien ami catholique. Bien ami dans le Seigneur. La parole de Dieu est merveilleuse. Mais regardez. Dieu. Zambé. Et comment mis au singulier. Et moi, mis à Bomoko. X y est. Il n'y a pas de X. Pourquoi? Car Dieu est un. Il n'y a qu'un seul Dieu. Même le verbe dit. Tango ba conjugué yango. On a conjugué ça. Eza na troisième personne du singulier. Eza na bomoko kak. Na présent de l'indicatif. Ça, ça y est. Dieu. Zambé. Singulier. Yemoko. Verbe conjugué, Kolobami. Singulier, Yemoko. Dit, Alobi. Et non pas dire. Balobaki. Quand ce n'était pas nombreux. Moko, Moko. Un seul, Moko. Un seul. Et la Bible dit, Bible lobby. Au verset 25, et Dieu, au singulier, et Zambé, Yemoko. Créa l'homme à son, na son image, et, na ye. Et non pas à ses images, Zate na mais à ba. Son image, na na ye. Et il le créa, pe akela ki ye. Mal femme. Moi si peu mobile. C'est comme cela que nous croyons. Et à Zagwana dans un corps spirituel. À Zagwana kati nan zoto elimo. Et il était un être vivant. Mais au chapitre 2, la Genèse verset 7, Dieu, formant l'homme, tu l'as poussé de la terre. Il est formant de la terre. Voyez frère. Et il souffla dans ses narines. Et l'homme devint. Parce qu'il ne l'était pas. Mais il devait une âme vivante. Lui qui a été créé à l'image de Dieu, mais qui n'avait pas encore un corps terrestre, un corps de chair, qui n'avait pas encore une forme qu'on pouvait le voir. Dieu lui donnait une forme. Voyez frère, à l'image de la terre. C'est ça, frère, vous devez comprendre. Ce corps n'est qu'une montée de terre. Bien aimé dans le Seigneur, c'est comme cela que nous croyons.
et l'homme devint une âme vivante. Ce n'est pas écrit quand Dieu avait créé l'homme à son image, l'homme était créé une âme vivante. Non. Il était créé à l'image de Dieu. Il était un homme esprit. C'est comme ça. Bon, mais dans Genèse 2, Genèse l'homme devint maintenant. Celui qui était esprit, il devait une âme vivante. Lui, Dieu lui donne une nature. Et ce n'est pas écrit. Et l'homme devait une âme vivante éternellement. Non, tout court, une âme vivante. Et Dieu précise, il lui donna cet ordre. N'essaye jamais de manger l'arbre qui est défendit. Le jour où tu en mangeras le fruit de cet arbre, tu mourras. Dieu savait qu'il n'avait pas la vie éternelle. S'il voulait vivre et a une âme vivante, il devait garder l'ordre divin. C'était loi de Dieu de n'en manger point le fruit de cet arbre défendu. C'est comme ça, ainsi dit le Seigneur. Comment Nzambe a-t-il la vie éternelle? Qui puisse encore lui dire le jour où tu en mangeras? Il n'en avait pas la vie éternelle. Et Ézéchiel nous révèle dans son chapitre 18 l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Dieu a créé cette âme vivante. L'âme devait vivre par la parole de Dieu. Et l'âme qui pêche, c'est celle qui devait mourir. Et Adam, dans son âme, il avait péché. Voyez, et il est mort. C'est comme ça. Je dis bien, c'est comme ça. Même dans cette chair. Adam n'avait pas encore eu la vie éternelle. La vie éternelle était donnée à un seul homme. Et qu'il a donné son fils unique. Que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Adam n'avait pas la vie éternelle. Avant le second Adam, il a livré sa propre vie. Non, la vie éternelle. C'était potentiellement. Il croyait dans le sacrifice des animaux qui préfigurait l'agneau de Dieu qui devait ôter le péché du monde, qui devait livrer sa propre vie. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie, sa propre vie pour ses brebis. Mais j'ai le pouvoir. Tu l'as donné. Et aussi le pouvoir de la reprendre. C'est comme ça. C'est comme ça que nous croyons. Et ensuite, Benassima. De la même manière aujourd'hui, l'âme qui pèse, c'est celle qui mourra. Et toutes les âmes qui n'ont pas cru en Dieu, qui n'ont pas cru Dieu, depuis l'Ancien Testament jusqu'à la Nouvelle Alliance, mourront, périront. Dans le temps de feu et de souffle. C'est ainsi dit le Seigneur. Mais toutes les âmes qui avaient cru, elles en anciens, elles en nouveaux, vivront éternellement avec l'éternel dans l'éternité. C'est ce que nous croyons. Amen. Amen. Mais chapitre 2, Toyokina, verset 18, nous verset 18, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui lui soit semblable. Encore la ressemblance. Une aide qui lui soit semblable. Qui est semblable à lui. Une aide. Une aide. La femme, Mouas. L'aide de l'homme. Moussungi Amobali. Voyez, frère. Omoni Bandek. Dilo Banzambe Isaac Kito. La parole de Dieu est merveilleuse.
et Dieu fut tombé sur l'homme. Un profond sommeil. Et l'homme s'endormit. Il a fallu cela. Parce que le premier Adam n'était qu'un type. Vous voyez que le premier Adam, en lui, dans son corps spirituel, la femme était là. Vous voyez, frère? Et le second Adam, qui est le dernier, frère, l'épouse était en lui. En lui. Nous, c'est comme cela que nous croyons. C'est pas autrement. Et comme le premier Adam, il n'avait pas encore une chance. Mais c'est quoi Adam non plus? Il n'avait pas encore une aide qui lui était semblable. Voyez, frère, tous ceux qui venaient là, les sadducéens, les pharisiens, ne lui étaient pas semblables. Les protestants, les frères, les ne lui sont pas semblables. Bien aimé dans le Seigneur. Mais il devait lui faire une aide. Il a fait au premier Adam une aide qui lui était semblable. Regardez un type. Quand Adam s'était endormi, bien aimé dans le Seigneur. Dieu a commencé une opération. Docteur Josué. Docteur Josué. Dieu a opéré lui-même Adam. Zambé moko pas cela qui Adam. Il a sorti une côte. L'une des côtes d'Adam. Benayango. Asaleliye Mosungi. Il lui a fait l'aide. Parce que Mosungi mozala mokokani na ye. Car l'aide en question. Il a aimé la ressemblance. Zambe alinga ki bokokani. Et aussi l'image. Alinga ki peliling. Oke neko bala ka bibala bala. Tu vas te marier n'importe comment? Te. Non. Elle doit être semblable. Yoza mundimi. Toi, tu es un croyant. Yepe mundimi. Elle aussi croyante. Yo moponami. Toi, un élu. Yepe moponami. Elle aussi une élue. Ye abongisa maliboso. Elle était prédestinée. Yope abongisa maliboso. Toi aussi prédestinée. C'est comme ça. Ezala kabongo. Yazundi mama komi. Elle croit les écritures. Yozundi mama komi. Toi aussi tu crois les écritures. Musungi mokokani na yo. Une aide qui t'est semblable. Et un type. Katina bililing. Christ est à la croix du calvaire. Christ est calvaire. Voyez, frère. Mon bandeko. Tant qu'il y a kakamakiwana. Quand il était crucifié là. Vous savez bien que Christ a couvaté na pota di konga. Vous savez que Christ n'est pas mort de la blessure de l'arc. De lance. De la lance, non. Non. T'es. Le soldat qui est venu le percer. Il a trouvé déjà mort. Voyez-vous? C'était le vendredi. Bon, le vendredi. Comme c'est un vendredi. Et la préparation, il y a sabbat. Sabbat, de lobby samedi. Le sabbat, c'est demain samedi. Si on le laisse ici. Donc la bibembe. En tant que cadavre. Donc on suit sabbat. Nous allons suivre le sabbat. Bon. Qu'on leur brise les pieds. Jambes. Qu'on leur brise les jambes. Tango toko buka buka bango ba jambe. On leur aura brisé les jambes. Comme bazali ba prisonniers ya condamné à mort. Comme sont des prisonniers condamnés à mort. Ils ne fuiront pas. Parce que batia qui est na nombre ya ba brigands. Quand il était placé du nombre de brigands, il était compté parmi les brigands. Considérait yé comme un brigand. Donc on le considérait comme un brigand. Et ba brigands ba koko kimaka boye ba kenda. Les brigands peuvent s'enfuir comme ça. Buka bango ba jambe. Brisez leur les jambes. Tokoko tika bango wana. On peut le laisser là. Mais ya na bomoi. Mais vivant. Ba souffrir kaka ba jambe buka. Il souffre des douleurs. Pas soit aucun soin. Ba sunga bango tam mukete. Aucun infirmier, aucun médecin, aucun assistant médical. Aucun infirmier. Akoya ko sunga bango. Ne viendra les aider. Et tant que tokoko mon premier jour à semaine. Quand on arrive au premier qui jour est la semaine. Le dimanche. Vous allez dimanche. On revient ici pour les achever. Frère. Bandeko. Babandi namoko. Ils ont commencé avec le premier. Babou qui est ma jambe. On lui brise les jambes. Bakati si Jésus. On saute Jésus. Babou qui est yanga mumususu ma jambe. On brise de l'autre côté les jambes. Malobito zonga et pas yakolo makambo. On revient maintenant au commanditaire. On lui brise aussi les jambes. Baya koko makaboye. On arrive devant lui. Bakuti asia kufi. On le trouve déjà mort.
Pourquoi? Parce que le premier Adam, ne s'était pas endormi à cause de l'opération. Mais il s'était endormi avant qu'on puisse tirer une côte. Et quand on s'était endormi, on a sorti cette côte-là. Et le second Adam, devait premièrement s'endormir. Sa mort là, c'est ça le sommeil. Profondément. Et c'était à ce moment-là que le soldat est venu le percer. Et quand on a dans cette côte-là, il y a gauche. Ce côté gauche. Parce que Kunande, car c'est là, épouse, là où l'épouse, moi si Abimaka pour la première fois, là où l'épouse est sortie dans le jardin d'Éden, dans le jardin d'Éden, et où t'en as l'homme, de l'homme, et le premier Adam, Adam Aliboso, typifié le second, Azakotalisa d'Amami Balé, et qui est aussi le dernier, Azalimpe Asuka. Son épouse aussi. Moi, c'est un peu alibana. Semblable naïe. Il faut outaka na mupanzi naïe. Doit sortir aussi de son côté. Et tant que le soldat tout billé. Quand le soldat l'a percé. Kuna. Là-bas. Jambe moto a passé là qui. C'est Dieu qui l'avait opéré. Et moku ebimaki. Et une autre sortie ici. Moku a mobimité. L'os n'est pas sorti. Mais bimimai. Il est sorti de l'eau. Namakila. Et du sang. L'eau et le sang là. Les sorties à femme ou à sa semblable naïe. De Bobimia, épouse. Bobimia, moi, c'est Libala. Vous voyez? Bomoni. Et c'est comme ça, Adam. C'est comme ça qu'Adam. Naïve. Et Eve. Bazan de Christ et son église dans la prophétie. Bazan de Christ, ton église, j'en ai qu'à Tchali Sakouel. C'est sous forme de type. Zaloulenga Bililing. Vous voyez, vous connaissez cela. Bien aimé dans le Seigneur. Regardez. Pourquoi? Pourquoi il a fallu l'os? Il y a Adam, côté Adam. La côte Adam. Pourquoi Dieu? En faisant l'aide. Il n'a pas pris encore la poussière de la terre. Non. Non, parce que ça devait être. Même matériau. Mais ça, c'est le mot comme quoi. Il faut même matériau. Il faut le même matériau. Au monde. Voyez-vous. Dieu avait déjà pris la terre. Il en a fait le corps d'Adam. Mais quand il le faisait, sous forme spirituelle, Ève était dedans. Mais c'est que il fallait la faire sortir. À mon titre individuel, qu'elle paraisse maintenant individuellement, qu'elle soit matérialisée, formée à Salamawa. Alors il faut déjà que la même matière. Dieu devait prendre la même matière. Oh, il a déjà assis à Sali. Il l'avait déjà fait. À séparer Ango Kaka. Il la sépare seulement. Pour pas à la semblable. Pour te bakokana. C'est pourquoi l'épouse de Jésus-Christ devait sortir de lui-même. Pourquoi a la parole de sa parole? La vie de sa vie. L'esprit de son esprit. Croyez-vous cela? Amen. Épousez la sainteté de sa sainteté. La conduite de sa conduite. L'obéissance de son obéissance. C'est cela. Et au commencement, Adam s'est réveillé. Quand il s'est réveillé du sommeil, c'est comme le type de résurrection. Après cela, la présentation de l'aide. Voyez, frère. Mon et quand Adam s'est réveillé, il est remis dans le Seigneur. Il se regarde. Il dit c'est un peu. Il regarde devant lui. L'aide. Alors, voici cette fois-ci. Ah, tala nambala oyo. Celle qui est haut de mes os. Chère de ma chair. Moussounia, moussouni nangai. En tout cas, ya solo penza. J'ai reçu d'ordre ya mbaki mitindo. De dénommer chaque créature terrestre. Kombo na kila moko na moko amabele. Maintenant, ça, c'est pire. Voici le nom que je donne tala kombo na kopesa à cet être ici. Na ezali oyo.
Isha. Femme. Moi si. Pourquoi? Bonanine. Parce que Aza tiré de l'homme. Tiré de l'homme. Sorti de l'homme. Mais maintenant, quand je la vois, ça comme on a eu. Elle m'est semblable. Aza koko kananangai. Elle est semblable à moi-même. Aza koko kananangai. Et à l'okolanga. Mais elle est comme moi. Amoni femele yantaba. Amoni femele ya lion. Taba moi si. Nambo kote ekokana kinaye. Aucune ne lui était semblable. Mosungi ekokana naye kaka ejariena. L'aide qui lui était semblable seulement cet être là. Autake na panzi naye. Car elle était pourquoi? Parce que Dieu a aimé la ressemblance. Et l'image. Et l'iligne. Et Antipe, Katina, la vraie église, Ecclesia solo, l'épouse de Jésus-Christ. Moi, si le balai sous Christo, et Azali, et elle est toi, Sengeli, et elle sera, à Kozala, et elle demeurera, Kotikala, la parole de sa parole, l'Iloba, l'Obanaye, l'esprit de son esprit. L'Imo, l'Imonaye, voyez frère, Monibane, et donc on peut sous-souter rien d'autre. Le pouls est la Bible. L'épouse aussi sera la Bible. Moi, si je parle de la Bible, moi, si je parle de la Bible, moi, si je parle pas de la Bible. C'est comme ça. Les Ali Bongo. Et en ce jour-là, Kachamokolo, nous lisons ici. Tous à Kotangao. Ce que nous sommes, comme le disent les Écritures. Parce que, Pouete, à la fin, Nasuka, nous serons semblables à lui. Regardez. Regardez ici. Mais regarde ici, non. Mais lis d'abord ici. Tu vois? Nous, c'est comme cela que nous croyons. D'abord, on a Romains 8. Baloma Mwambe. Au verset 21. Car ce qu'il a connu d'avance. Jambi, Baïa et Bakiliboso. C'est-à-dire, avant même la fondation du monde, il les a aussi prédestinés à être. Nous ne savons rien d'autre. Parce que nous a prédestinés par sa préconnaissance, par sa préscience. Il nous a connus avant que nous le connaissions. Nous avons été connus de lui. Et cela de toute éternité. Et en nous connaissant ainsi, il nous a aussi prédestinés à être semblables. Pas autrement. Pas autre chose. Prédestiné à être semblable. Encore ici, la ressemblance. Prédestiné à être semblable. Et encore à l'image. Créons l'homme à notre image. Selon notre ressemblance. Et prédestiné à être semblable à l'image. Vous voyez, frère? Moni bandeko. Oui, semblable à être semblable à l'image de son fils. Avec son fils. Le second et le dernier Adam. Soit le premier né de beaucoup de frères. Parce que le père disait, je ferai de lui le premier né de beaucoup. Voyez frère, c'est comme cela que nous croyons. Et il est le premier né de beaucoup de frères. Et nous sommes ses frères. Et lui-même a dit, je fais connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné ton nom. Et je fais connaître ton nom. Je te louerai. Et je ferai connaître ton nom à mes frères. Et il n'a pas honte de nous appeler ses frères. Il a dit à Marie Magdala, ne me touche pas. Parce que je ne suis pas encore monté vers mon Père et votre Père. Vers mon Dieu et votre Dieu. Mais va dire à mes frères que voici maintenant je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu.
Amen. Amen. Non, la parole de Dieu est merveilleuse. Notre Dieu, le bon Dieu. Oh, balinga mikati na kolo. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ce que Dieu a aimé. Il a aimé l'image. Alinga ki eliling. Et la ressemblance. Peboko kani. Et avec cela, nous y arriverons. Togo komanango. Parce qu'il nous a prédestinés pour cela. À être. Donc, l'élection, la prédestination. Ne rate, ne manque jamais. Ne manque jamais. Nous y arriverons. Même si aujourd'hui tu vas comme autre chose. Mais tu y arriveras. Tu y arriveras. Je dis bien au kokoma. Nabi Malamou, tu y arriveras. Et nous y arriverons. Tala. Regardez. Talawa. Regardez ici. La parole de Dieu, elle est merveilleuse. Notre Dieu est le bon Dieu. Si tu lis dans Éphésiens, écoute d'abord ici. Écoute cette image ici. Écoute. Éphésiens. Ben Éphéso. Oui. Oui. Yo. Totangiboye. Nous lisons ceci. Voilà. Au verset 22. Moulongo matoubele mbalé. Na verset 20. Moulongo matoubele. Mais vous. Kasibino. Ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Ezali bongote ndeboye kolaki Christ. Si du moins vous l'avez entendu. Ce qui bobele te boyo kakiye. Et si conformément à la vérité qui est en Jésus. C'est en lui que vous avez été instruits. À vous dépouiller. À vous dépouiller. Il faut que chacun de vous fasse son dépouillement. Et cela, par rapport à votre vie passée, dépouillez-vous par rapport à votre vie passée. C'est une vieille veste. Que cette vieille veste soit ôtée. L'ancienne vie, la vie passée, dépouillez-vous-en. Cette vie-là, passée de qui? Du vieil homme est corrompu, qui se corrompt par les convoitises et trompées, convoitises des femmes. Et les femmes commettent aussi le péché des hommes. Elles commencent à convoiter aussi des hommes. Nous devons nous dépouiller de tout cela. De notre vie passée. Du vieil homme. Alléluia. Amen. Convoitise de l'argent. Convoitise du pouvoir. Convoitise de ceci. De la popularité. Et ainsi de suite. D'être, devenir prédicateur. D'être venu apôtre. Comme notre bien-aimé a dit, je n'ai même pas cherché cela. Mais c'est Dieu qui m'a placé et qui m'a appelé. Voyez, frère. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Et en état dépouillé, vous ne resterez pas nus. Et à revêtir. Et à voilà. Bongo. Quand la vieille vie, la vie passée, aux a dépouillé na yango. Tu en es dépouillé. Tu ne resteras pas vite. Il faut la revêtir. Et nanani. De quoi? Et à revêtir l'homme nouveau. Pas vieillot, plus question du vieillot. Mais à revêtir l'homme nouveau. C'est-à-dire la nouvelle nature.
Qui est Dieu? Parce que Dieu, par ses plus grandes et ses plus promesses, précieuses promesses, il a fait de nous des participants de sa nature. De participants de sa nature. La nature de Dieu. Dieu est esprit. Zambé ya c'est limo. Sa nature. Wana na et ce qui est né de l'esprit est esprit. Limo. Ce qui est né de Dieu est Dieu. Zambé, zalimpe, zambé. Dieu est son père. Zambé tata na ye. Et le Dieu adorable. Azali zambé, ba zambé laka. Toi, son fils. Yo mwana na ye. Dieu, le Dieu adorateur. Azali zambé, mo zambé li. Tu dois adorer ton père. Osengeli ko zambé la tata na yo. Amen. Amen. Oui, frères et sœurs. C'est comme ça que nous croyons. Et il dit, Alobi. Et à revêtir l'homme nouveau. Cet homme nouveau, créé selon Dieu. Il est créé selon Dieu. Dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Les gens ne savent pas que la nouvelle naissance, c'est une création. Appelez la nouvelle. Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Mais dans cette création, Dieu nous crée selon lui-même. Il nous recrée à son image. Comme au commencement. Amen. Amen. L'homme nouveau créé selon Dieu. Cette nouvelle nature. Selon Dieu. Dans une justice. Et une sainteté. Que produit la vérité. Encore dans Colossiens. Colossiens. Nous lisons ceci. Au chapitre 7. Oui. Mokapo. Oui, au chapitre 3. Na mokapo mami sato. Colossiens. Makoloso. Au chapitre 3. Mokapo mami sato. Alobi boye. Il dit ceci. Alobi. Il dit. Verset 5. Molongo mami. Faites donc mourir ce qui. Na bongo bobo misa oyo. Dans vos membres. Kati na bina manabino. Les membres de vos corps. Bina manzoto na bino. Ce qui est terrestre. O ezali amabele. Si tu trouves dans ton membre. Si komoni kati na bina manayo. Quelque chose qui est terrestre. Eloko moko ezali amabele. Il faut la faire mourir. Esengele kobo miselo kwa na. Éliminer. Kobo mango. N'élimine pas kobo ton membre ou votre membre. Kobo ma. Mais élimine cette chose là. Kobo mena manayote. Kobo bomande loko wana. Amen. Amen. Par exemple, Dakisa. La débauche. Pité. Donc la fornication. Pité. Et qu'on coupe ta main dans tes membres. Peut se trouver dans tes membres. Pité, ça n'a qu'à des abîmes à manayo. La débauche se trouve parmi tes Mais membres. Bon mango. Mais tu là. Le pureté. Bosoto. Bon mango. Fais-la mourir. Les passions. Ma posa mabe. Bon mango. Bon misa abo. Les mauvais désirs. Ma posa mabe. Bidoule la mabe. Bon mango. Fais-la mourir. Et la cupidité. Loko sambongo. Bomango. Fais-les mourir. Pourquoi? Pour anine. Qui est une idolâtrie? Tu n'as pas besoin de boire la moto ma bocoté. Tu n'as pas besoin de boire. Ah, parlement. Ils sont pas au parlement ici. Vous avez besoin de boire de la photo. Y a colon de fête. Tu n'as pas besoin de prier devant la photo. Tu n'as pas besoin de faire. Non. Il faut faire mourir toutes ces choses-là. Vous avez besoin de Yakosi Mama Yakana Maboko. Tu n'as pas besoin de dégrainer les chapelets. Pour réciter une prière. Et pourtant, ce n'était même pas une prière. C'était une salutation. Et on a fait de cette salutation une prière. 50 fois par jour, en train de prier Marie. Non. Fais mourir des telles choses. Entre tes mains, ne graine plus les chapelets. Jette ça à la poubelle. Oh, bien aimé dans le Seigneur. Et il dit, c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur le fils de la rébellion. Les filles de la désobéissance. Ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Dieu. La colère de Dieu se répandra sur eux. À cause de ces choses.
C'est ainsi que vous marchiez. Et non pas, c'est ainsi que vous marchiez. Nous ne marchons plus de cette façon-là. Mais c'est ainsi que vous marchiez. Vous marchiez quand? Autrefois. Et non plus maintenant. C'était autrefois. Lorsque vous viviez. Ce n'est plus ainsi que nous vivons maintenant. Mais nous vivions. Nous vivions. Mais nous ne vivons plus ainsi. Mais c'était lorsque vous viviez dans ces choses. Aujourd'hui, nous ne vivons plus dans ces choses. Nous vivons en Christ. Nous vivons dans la parole. Et selon les Écritures. Et c'est là où nous marchons. Amen. Selon la voie tracée qui nous a été ouverte par le Seigneur lui-même. Oui. Selon la voie de sa parole. Selon la voie de la vérité. C'est là que nous marchons. Mais Yoka. Écoutez. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses. À la colère, Nankele, à l'animosité, Nalikundu, à la méchanceté, Nankanja, à la calomnie, Nankoko, aux Mokam, paroles équivoques Namalobe, qui pourraient sortir de votre bouche. Namalobe, mabe, koko, bimote, ne mentez pas les uns aux autres. Boko, sanate, bamoko, basoso, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, de mauvaises œuvres, de vieilles œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle. Dans la connaissance, et cela, yango, selon l'image de celui qui l'a créé. Encore l'image, selon l'image de celui qui l'a créé, dans la nouvelle création, dont Jésus est le premier-né de toute la création. Amen. Amen. Est-ce que c'est clair? C'est comme cela. Ce n'est pas autrement. Non, 1 Jean. Dieu lui-même est devenu semblable à nous. Parce qu'il a aimé la ressemblance. Maintenant, toi qui attends l'enlèvement, à qui ressembles-tu? Toi, à qui ressembles-tu? Tu es à l'image de qui? Cette histoire de ressemblance de l'image a tué même les mariages. Ma balle est koufa. Les mariages se sont cassés. Les sont cassés. À cause il y a image n'a ressemblance. Nantina ilingi na bokokani. Mobali azaki na poso ya kobala. L'homme veut se marier. Il choisit une femme. Babalani. Il se marie. Basengi mbana. Il demande l'enfant. Jambe apamboli apesi mwana. Dieu bénit ton enfant. Na mwana wana mikatano ebimi. À cause de cet enfant, des difficultés ont surgi. Le problème a commencé à cause de l'enfant. L'enfant, au lieu que ce soit un bonheur, ça devient maintenant un malheur. Je n'accepte pas cet enfant. Je ne le reconnais pas, ce n'est pas mon enfant ça. Comment? Quand je le regarde, il n'est pas mon image. Quand je le vois, il ne me ressemble pas. Et comme chérie. Tumbola. Confesse. Tubela, tubela. Confesse, confesse. Yambola. Confesse. Yebisa mobali ou yapesa kiyoze. Dit l'homme, l'auteur de cette chose. La femme dit, je ne connais point, je ne connais pas notre homme. Depuis qu'on se marie, c'est toi qui m'as rendu enceinte. Non, si c'était mon enfant, il allait me ressembler, hein. Qu'on négligeait l'image et la ressemblance. Naboko kani.
Parce qu'avec Christ et avec Dieu, on a la même histoire. Si tu lui ressembles pas, il va te renier. Parce qu'il faut qu'on cananaye. Car tu dois lui ressembler. Moi, je vous dis, malheureusement, aucun parmi vous n'a vu mon père biologique. Si vous l'aviez vu, vous n'alliez plus le chercher. Vous auriez vu son ressemblance image. Sa ressemblance. C'est moi. C'est par l'engendrement. Parce que même les chromosomes, se trouve dans le sang de l'homme. Et ils ont mis caractéristiques même les caractéristiques de son ça, père. Ça c'est naturellement. Et spirituellement, l'histoire doit se répéter. Les caractéristiques de Dieu. Par le de Jésus-Christ. De Jésus-Christ. Même sa nature, ses fruits, ses vertus, par la nouvelle naissance, quand Dieu t'engendre, nous sommes manifestés en toi. Vous êtes semblable à lui. Tu dois être semblable à lui. Si Dieu est ton père, nous une image à Nani. Tu as l'image de qui? La ressemblance est à Nani. La ressemblance de qui? Vous attendez l'enlèvement. Que Dieu nous aide. Ce qui est dans le naturel, cela est possible par l'engendrement. Dans le spirituel, parce que la nature elle-même n'est qu'un enseignant ou une enseignante. C'est elle qui nous enseigne le spirituel. Donc dans le spirituel, c'est par la naissance d'en haut, par la nouvelle naissance, par l'engendrement, par son esprit, par sa semence. Mais toujours soyez image et ensemble. C'est pas encore manifeste physiquement. Mais intérieurement, c'est ce que nous sommes. Parce qu'il s'agit de l'homme intérieur d'abord. Et lors de son retour, ce sera le tour de l'homme extérieur. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Ça, c'est par rapport à ce corps ici. Mais l'homme intérieur, déjà, il est maintenant créé à son image. Notre âme est dans son image. Celui qui est né de nouveau, son âme est Dieu. Il a une même âme, une même nature. Car l'âme est la nature de l'homme, de l'esprit. Donc ils ont une même nature. Il a la même nature avec Dieu. Si Dieu est la parole, toi aussi tu es une partie de cette parole. Tu es esprit, toi tu es esprit. Tu es saint, toi tu es sa sainteté. Tu es la vie éternelle, toi tu dois vivre éternellement. Amen. Amen. Est-ce que ça peut l'aider? Est-ce que c'est clair? C'est de cette façon-là que nous croyons. Ne te fais pas de soucis. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Il faut qu'il nous engendre. Et que nous naissions d'en haut. Et cela, à son image et à sa ressemblance. Premièrement, dans notre homme intérieur. C'est-à-dire dans l'âme. Et finalement, lors de son retour, ce qui est dans l'âme, ce qui est dans l'intérieur, sera débouché à l'extérieur. Et c'est ce que nous serons, semblable à lui. Encore la ressemblance qui a commencé dans l'homme intérieur se débouchera dans l'homme extérieur. Car nous le verrons tel qu'il est et nous serons semblables à lui. Ça, c'est par rapport avec notre homme extérieur. Ces cheveux ici qui se découpent. Je vais tout récupérer. Voyez, frère.
Ces jours qui tombent vont retourner toutes neuves. Ce dos qui se courbe sera redressé. Ce corps mortel revêtira l'immortalité. Ce corps corruptible revêtira l'incorruptibilité. Et nous serons semblables à lui. Parce que sa résurrection, c'est la garantie de notre résurrection. Et sa transfiguration, son changement à la montagne de transfiguration, c'est la garantie de la nôtre. Nous ne mourrons point tous. Tous nous serons transfigurés. Transmué, changé. En un instant, en un clair. Amen. Amen. Nous, c'est de cette façon-là que nous croyons. Alors, Oui, ici. Si tu lis ici, lui m'a fait quelque chose. Oyo. Qu'il devait faire, qu'il doit nécessairement faire. Voyez-vous, ça se trouve ici. La parole de Dieu. Elle est merveilleuse. Awa, Hébreux 2, verset 14. Ainsi donc, Nabongo, puisque les enfants participent au sang et à la chair, depuis le jardin d'Éden, dans le chapitre 2 de la Genèse, les enfants ont participé au sang et à la chair. Ils sont devenus, ils sont entrés dans un corps de chair. Il y a également participé lui-même. Pourquoi? Afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Voyez, frère, et ici, au verset 17, en conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères. Lui-même a dû être rendu à Sengeraki. Il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères. Nous sommes ses frères. Lui-même a dû être rendu semblable en toutes choses à nous qui sommes ses frères. Afin qu'il soit un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car du fait qu'il a souffert, il a souffert lui-même et qu'il a été tenté, il peut secourir, il peut aider ceux qui sont tentés. C'est de cette façon-là que nous croyons. Oh, enfant de Dieu, la parole de Dieu est merveilleuse. Notre Dieu, le bon Dieu, nous le croyons avec raison. C'est comme cela. C'est pas autrement. Bien qu'il soit fils, Jésus-Christ a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un grand, d'un salut éternel. Dieu l'ayant déclaré souverain, sacrificateur. Alléluia. Amen. C'est de cette façon-là que nous croyons. C'est comme ça, bien-aimé dans le Seigneur. Notre Dieu, le bon Dieu. Alors, je termine ici. Dans Colossiens. Colossiens chapitre 3. Nous lisons ceci. Verset 22. Non. Chapitre 3. Oui. Non. C'est Philippiens. Où est Philippe?
Philippiens chapitre 3. Mais nous, Suivez bien. Mais nous, Kasibiso, nous sommes citoyens des cieux. Né de nouveau. Kobota makasika. D'en haut. Likolo. Pour une espérance vivante. Pone likiana bomoi. Nous sommes citoyens des cieux. Tozabana mboka balola. D'où nous attendons aussi. Uta pito kozelampe. Lokola. Nous attendons aussi. To kozela lokola. Comme sauveur. Lokola mobik ici. Le Seigneur Jésus. Kolo Yesu Christo. Maintenant, nous l'attendons. Ça, c'est plutôt cause des cieux. Où t'en as balo, là? Là, il est allé en tant que précurseur. Et pas, ouais, pas, kenda, kilo, kola, pour nous préparer une place. Bon, 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 bon. Et tant que vous avez un peu de quand il finira de nous préparer une il place, il reviendra. À Kozonga. Il nous prendra avec lui. Et nous l'attendons des cieux. Non pas de l'Europe, des États-Unis ou de l'Afrique. Nous l'attendons des cieux. Nous ne l'attendons pas de la terre. Mais des cieux. Lui-même descendra. Avec un cri de commandement, le Seigneur descendra lui-même des cieux. Nous l'attendons des cieux. Nous ne sommes pas des branamistes qui enseignent que Jésus est déjà revenu. Non. Nous l'attendons encore des cieux en tant que sauveur. Parce qu'il revient pour sauver nos corps mortels par la vie éternelle. Amen. C'est comme cela que nous croyons. Et regardez ce qu'il dit. Oui, comme sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Mais qu'est-ce qu'il fera? Qui transformera, Oya Kobongola, qui changera, Oya Kobongola, le corps, Nzoto, de notre humiliation, c'est-à-dire notre corps mortel, Nzoto nabiso akokufaka, en le rendant semblable, Nako komisa ngo bokokani, au corps de sa gloire, na Nzoto ankembo na ye, encore la ressemblable, bisusu bokokani, en le rendant semblable, Nako komisa ngo bokokani. Voyez, frère, au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses, il fera cela. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Et c'est lui-même qui le fera. C'est de cette façon-là que nous croyons. Ce n'est pas autrement. C'est de cette façon-là que nous croyons. Nous pouvons lever. Awana 1 Jean. Awana chapitre 2. Non, chapitre 3, il y a 1 Jean. Mokapo mwami satu, ya Yohane, ya verset 1. Bolongo mayambo. Voyez quel amour. Tala ni bolingo nini. Bien aimés frères et sœurs. Balinga bandeko sembali. Voyez quel amour. Totala bolingo nini. Le Père nous a témoigné. Tata tatola kibiso. Pour que nous soyons appelés. Poteto byangama. Enfants de Dieu. Bana banzambe. Nous soyons appelés enfants de Dieu. Tobiang Mabana Banzam. Nous devenions enfants de Dieu. Elle est venue chez les cieux, les cieux ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. Et qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir, le droit et l'autorité de devenir d'être enfants de Dieu. C'est l'amour du Père. Quel l'amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Nous qui étions enfants d'hommes, il a fait de nous ses enfants. Et nous les sommes. Nous les sommes. Pas nous les sommes. Maintenant même nous les sommes. Si le monde ne nous connaît pas, ça ce n'est pas un problème, mon frère, ma soeur. C'est que le même monde ne l'a pas connu. Il n'a pas connu. Il est venu et chez les cieux, les généraux. Nous ne l'avons même pas connu. Le monde a été fait par elle. Mais le monde ne l'a pas connu. Frère, bien-aimé, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Nous ne serons pas. Mais maintenant, à l'instant même où nous sommes debout, nous sommes enfants de Dieu. Voyez-vous cela?
Amen. Étant maintenant enfant de Dieu, ce que nous serons, il y a un maintenant, c'est-à-dire un présent et aussi un futur. Maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Ce que nous serons, c'est un futur proche. N'a pas encore été manifesté. C'est-à-dire par rapport à notre corps d'humiliation dont Jésus-Christ a reçu le pouvoir. De le changer, de le transformer, semblable, le rendre semblable au corps de sa gloire. C'est ce que nous serons dans cette gloire éternelle qui n'a pas encore été manifestée dans ce corps de chair. Mais bientôt, ce que nous serons se manifestera, se révélera. Oui, frères et sœurs, nous serons changés en un instant d'incrédé. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons encore ressemblables. Nous serons semblables à lui. Parce qu'il nous a prédestinés à être semblables à l'image de son fils. Avec son fils, soit le premier-né de beaucoup de frères. Et lorsque le fils paraîtra en qualité de l'époux, il changera notre corps d'humiliation, le rendant semblable au corps de sa gloire. Et à ce moment-là, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Amen. Amen. Nous, c'est comme cela que nous croyons. Dans chapitre 4, verset 17. Mon cas, pour moi, c'est là que je termine. Je termine là. Parce que verset, nous serons semblables. Nous serons semblables. Les gens disent seulement Tokozala Bakokan. Il veut les mener n'importe quelle vie. Si quoi, Balingi Babika n'engue Balingi. Parce que nous sommes semblables. Car nous ne sommes pas encore semblables. Nous laisserons, nous laisserons. Tokozalango, Tokozalango. Mais ça, c'est par rapport à notre corps. Mais par rapport à notre homme intérieur. Il dit ceci. Tel il est. Lolenge Azali. Tel nous sommes aussi. Lolenge on a bu son pet Azali. Dans ce monde. Kati na mokiloyo. Ici, il n'y a pas question de futur. Ah oui, Azali, likambote koya. C'est au présent de l'indicatif. Azali de sasaipi, concernant de sasaipi. Tel il est. Lolenge Azali. Tel nous sommes aussi. Le lingue biso petozali. Ouh. Web. Pendant les siècles. Katina lola te. Dans ce monde. Katina mokilio. Itame. Amen. Ça c'est par rapport avec notre homme intérieur. Ouais, les accotales la motona biso akati. Et aussi notre conduite. Pe tambolina biso. Parce qu'il nous a pris, il nous a élus. J'aime bien pendant qui biso. En Christ. Katina Christ. Afin que nous soyons saints. Natia tosa la basantu. Par la vocation. Nanzela mbela. Et par son propre sang. Pe nanzela makila na emei. C'est irréprochable devant lui. Et comme le premier Adam avait vu le premier Ève, la première femme, et il a dit en lui-même, voici cette foi, celle qui est haut de mes os, chair de ma chair. De la même manière, le second et le dernier Adam. Dans Éphésiens, chapitre 5, il est écrit Christ est offert lui-même. On l'a purifié, afin de se présenter l'Église à lui-même. Lui-même se présentera à l'Église et à lui-même. Aucun ange, aucun prophète. Mais lui-même se présentera à l'Église et à lui-même.
A tenu l'église devant lui-même. Et il place l'église devant lui-même. Quand l'église se tient là, il la regarde. Il pourra dire ceci. Voici cette fois-ci. Celle qui est haut de mes oeufs. Celle de ma chair. Parole de ma parole. Esprit de mon esprit. La vie de ma vie. Salut de mon salut. Sainteté de ma sainteté. Croyez-vous cela? Vous allez vous douter. Ça ne sera pas quelqu'un. L'église arrivera à la perfection. L'église sera changée. L'épouse. En un instant, en un clédé. Son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se revêtir. Et puis, il y a l'air pur et éclatant. Voyez, frère, c'est le vêtement d'occasion. Oh, notre sœur Judith. Depuis qu'elle est née, n'a jamais porté ça. La première fois, est-ce comme ça? Oui. Nous aussi, nous ne sommes pas vêtus. Beaucoup disent comme si on était déjà vêtus. Parce que modèle est à Jésus. Car le modèle, c'est Jésus. Jésus avait une robe dans laquelle il marchait sur la terre. Mais le jour où il est monté sur la montagne, premièrement, il s'est transfiguré. Son visage était devenu comme le soleil. Ses vêtements étaient devenus tout blancs. Comme la lumière. C'est comme ça. Et ça bon. Nous aussi de même. Nous avons une robe avec laquelle nous montons. La robe de justice de Dieu. Il nous a justifié. Alors qu'il s'acquibisse. Et toujours là, ta vêtement na yewana. Et nous portons son vêtement là. Et quoi qu'on sera sali. Mais ce vêtement peut être sali. Mais robe d'occasion. Mais la robe d'occasion. Tu ne dois pas confesser. Parce que toujours là, ta montagne yo bongwani. Car tu la portes quand tu es transfiguré. C'est ça. Et ça bon. Et Abraham se disait, l'épouse n'est plus sur la terre, l'épouse est dans la gloire. Parce que Matthieu 25, verset 10, celle qui était prête, entrait. Et la porte fut fermée. Et quand nous entrons là-bas, comme la soeur et les frères sont prêts aujourd'hui. D'ailleurs, tout est déjà fini. Frère, regarde un peu la sœur. Tourne-toi un peu la sœur, regarde-le. Et c'est comme ça, Seigneur. Mais regardez-vous. Seigneur, qu'on se présente. C'est comme ça que le Seigneur va se présenter à lui-même l'épouse. Et pas n'importe quoi. Tant que l'épouse est comme ça, sans tâche. Il est comme ça, il est comme ça. Il est rien de sans tâche. Irrépréhensible. Mais sainte et glorieuse. Si mon sang tout peut en kembo. Avec sa robe d'occasion, des circonstances. Et la circonstance, c'est les noces. C'est le mariage. Ensuite, festin. Comme on fait aujourd'hui. Libala et aujourd'hui même, il y aura aussi festin. Noces d'abord, et ensuite festin. C'est comme ça que nous croyons. Bienheureux celui qui est appelé. Dans noces de l'agneau. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Tout bon de l'encolo. Onjambe nangai. Yonde, dibanda reo mtu mususu wazaliti. Yo zali kuleka batu basi. Tuo zali kutondo yo boto. Yo linga, boko kani, boulani. Pena, yelilingi. Yangwana nkolo. La vraie église épouse. Esalami na elilingi na yo na bokoka ni boyo pe kozalo bele bongo e kozalo bele bongo na liko tondo pe komatali kolo bobele oyo akokera makati na elilingi na yo wana kati na bokoka ni na yo e kobanda sasa ipi dengo sio bandi yango na motema na elimu. Na ame ya moko na moko, ye kala mingi te ko debouche libanda. Pwete, oyo to sengena ki ko jala. Peto zali na ino te, toko kabongo ko zala yango. Tola tanjoto yango. Yali sekwa, joto yango ye limo, joto yango yankembo, oye kokani na joto na yango. Me yambo, motema nde sengeli ebongwana. Ame sengeli ebota masika. Ebongwana, etosa, eyoka, yuelinga yo.
Paix est la scellée de ton sceau, du sceau divin, jusqu'au jour J de la rédemption de nos corps, jusqu'au jour de la, résurrection. Ô grand Dieu, et nous serons replacés dans notre position qui était au commencement et dans, dans le même corps spirituel, glorieux. Oh, merci Seigneur. Pambula, mwana mobali, pambula pe, oya mwasi. Pambate, yo zanzambe. Uzankolo, pe uzali mobate. Kembo ya yo, uleki batu basu. Seigneur, pambula basali na yo, pambula bana. Idobali kota na motema na biso. Bwende to sengi. Na kombo. Po na biso mwako toko kokati. Yonde. Okelaka Adam. Na ililingi na yo. Ami kirate. Ntango yo. Oyei. Seigneur na tango ya Adam. Ayeko bota sete. Biblia lobi. Abota sete. Na ililingi na ye. Na bukoka ni bwaye. Et le dernier, le second, le dernier Adam, tango biso toko botama na nouvelle naissance, oh yaza, le premier-né, tozo botama na ililingi, ya ye, na bokokani na ye. Merci Seigneur. Lokola tolata, image, ya premier homme, oh yo bien ami terrestre, tokola tape lokola image, ya second homme, dernier, oyaza céleste. Et tous les autres, ils mangent, wana, namokolo yalisekwa, namokolo mwambongwana, mokolo yoko zong. Mais avant cela, motema, mulimo nabiso mosengeli ko bongwana. Tokoma bikiramu biasika, namakamu masika. Merci. Nakombo anko nabiso Yesu Christo. Amen. Amen. Tika lingomba toloba amene. Amen. Pe alléluia. Alléluia. Mutuna angoyo. La question est là. Mutuna angoyo. Voici la question. Yozan et Lilinganan. Moto na moto atu na atu na dekonai. Yozan et Lilinganan. Tu as l'image de qui? Yozan et Lilinganan. Tu as l'image de qui? Yo pokani nanan. À qui ressembles-tu? À qui ressembles-tu? Togo ekovan. Nous pouvons nous rasseoir.